À chaque fois, ça me saoule parce qu'elle est pas là. Et en fait, elle est là, la coquine. Il faut qu'on aille faire une tenue, hein. Il faut qu'on aille la changer. Nouveau jour, nouvelle tenue. Je vais déjà claquer. Oh, faut que j'arrête. Je vais claquer tous mes sous. Oh, j'ai l'angoisse. Bon. Je baisse le son de la musique. Je baisse le son de la musique pour vous ou pas? Dites-moi. Dites-moi ce que je le fais. Est-ce que je baisse un peu ou pas? Ah, coucou Maxou, comment tu vas? Merci pour le follow d'Amstam. Little please. Ok. Allez. Je vais essayer de pas me coller. Ça va être dur. Je vais essayer de pas me coller à mon... Attendez. Parce que j'ai mon tapis de marche sous mon bureau. Et du coup, j'arrive pas à avancer ma chaise. Voilà. Je vais essayer de me coller, mais sans avancer la tête trop en avant pour mon dos. J'ai chaud là, il me faut de l'air un peu. Voilà. Ok. On est bien? Ouais, on est bien. Allez, let's go. Ouh. J'ai un appel de Ross. Putain, à l'époque, c'était pas la même, hein, avec Ross. On avait du mal à avoir des nouvelles au début, hein. Pas qui c'est, ça. Bonsoir Bobby, ce soir il y a la cérémonie à SASP Nord et en général on invite le Weasel à venir couvrir la cérémonie, donc je te dis si jamais tu veux faire. Tiens, Sabrina, comment tu vas? Oh, c'est trop pipou. Attends, je vais l'appeler. Hein. Allô Bobby. Oui, bonjour, ça va? Ça va et toi? Ça va. La cérémonie de quoi? De remise des promotions du SSP Nord. Ouh. Ah oui, je veux bien, à quelle heure? C'est à 22h au niveau de l'aéroport de Saint-Charles. D'accord. Faut que je m'habille d'une façon particulière ou pas? Ah non, pas du tout, tu viens comme tu veux. D'accord. Ben du coup, on se retrouve à quelle heure t'as dit? 22h. 22h. Ok, bah c'est noté. Voilà. À tout à l'heure, merci. À tout à l'heure, bisous. Bisous. Il est trop pipon. Alors. Ouais. Rufus. Bonsoir, Bobby. Bonsoir. Enfin, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, Bobby. Ça va et toi? Oui. Je vais aller couvrir un événement de la police du Nord. Ok, nickel. À plus tard. Ouais, plus tard. Attends Bobby, je suis en train de voir, je vais demander à l'état-major si tu peux faire un stage dans la crime d'ici une ou deux semaines. Ouais. Moi, oh bon, c'est pas encore acté, hein. Je te dis pas que j'ai l'autorisation, je vais demander si c'est possible. Oh oui, je veux. Oh, ça serait trop bien. Promis, je serai sage. Mais qu'à pas crever, je cours. Pas de soucis, ça m'a Bobby. Je suis trop contente. Oh, pardon. Ben pourquoi tu me fais un petit doigt? Non, parce que j'étais super heureux du coup. Quand t'étais heureux, toi tu fais des doigts? Ouais, c'est un petit toc. D'accord. C'est très étonnant, hein, mais ok. J'aime bien. Oh non, je suis trop contente. Oh, j'ai envie de danser, j'ai envie de sauter. Je vais aller à la crime. Et les copains, je vais aller à la crime. Réveille-toi, toi, je vais à la crime. C'est ça qu'il nous faut dans nos... journée. Une Bobby. Ma mamie. Oh, ma petite Bobby d'amour. Ça va? Bisous. Je vais aller à la crime. Tu vas bien? Je vais faire un stage. C'est vrai? Je suis super fière de toi, là. Ouais. Trop contente. Je vais aller à la crime. Je vais aller à la crime. Pourquoi tu... Enfin, vous êtes pas pudique, mais nous, si... Je viens de me réveiller, là. Oh, putain, il a le chapiteau. Pourquoi il y a un... Non. Il est tout droit dedans. C'est parce que ma petite, il est content. C'est comme les chiens, ouais, les hommes. Ça remue la queue quand ils sont heureux. Pourquoi il est content? Toi d'honneur, lui aussi, il est comme toi, il est content. Ouais, il est content aussi. Écoute, ma petite, les hommes, quand ils sont heureux, c'est comme les clébards. Dès qu'ils sont contents, ça remue la queue. C'est bien comme ça. Ça va pas, dans tous les sens. T'es content pour moi parce que je
vas à la CRIM. Voilà, il est content. Ouais, ouais. Bah, en vrai, félicitations. Par merci. Contre. Attends, on m'appelle. Oui, bonjour. Bonjour, madame Bobby. Comment allez-vous? Ça va, et vous? Oui, c'était pour vous dire que les lits sont affreusement agréables. Que, mis à part ma grand-mère qui m'a, chié dessus, etc., c'était une nuit formidable. Ah, vous avez... Ah, mais c'est Kurt! Oui, mais vous n'avez pas enregistré mon numéro? Je crois que vous ne me l'avez pas donné, surtout. Ça coûte combien? Ah oui, donc en fait, vous, voilà, c'est open bar, quoi. Moi, je suis un gueux, quoi. Mais pas du tout! Non, alors, du coup, votre mamie, elle vous a fait caca dessus? En fait, vous voyez, il était 3h du matin, j'ai dormi profondément, et d'un coup, j'entends un détournement de fond, quoi. C'était... Faut faire un article dans le journal. Oui, faites un article sur ma grand-mère, vous dites la péteuse de nuit. D'accord, je vais demander à ma patronne si ça l'intéresse. J'ai le titre, biscotti, ça chie au lit, voilà. Mettez ça. Biscotti, ça chie au lit, d'accord. Voilà, ouais. C'est noté. Voilà, c'est super. Ben, on arrive, Madame Bobby, plus tard, on se verra plus tard dans la soirée. Oui, je vous enregistre du coup, Monsieur Kurt. Bah oui, on essaye d'être plus, un peu respectueux. C'est sympa, oui. Ouais, non, ouais, ouais. Allez, d'accord. Au revoir. À plus tard. À plus tard, bisous. Au revoir. Bonjour, comment allez-vous? Ah ouais, il est... Ça va? Et vous? Ah putain, j'en ai marre. Je crois qu'il m'a rappelé, Scott, non? Non, il m'a rappelé? Je crois qu'il... Allô? Tu m'as rappelé? Non. Ah, je croyais, parce que j'avais un appel en absence. Je vais faire un stage à la CRIM! Tu vas faire un stage à la CRIM? C'est incroyable, ça. Oui, il y a le monsieur qui a les bras tout noirs. Ouais, Kazei. Kazei, il a dit qu'il allait voir s'il pouvait me faire faire un stage dans quelques semaines. Bah, incroyable, ça. Oui, c'est trop contente. Bah oui. En plus, j'y suis à la CRIM aussi. Ah bon? Oui. Oh, mais c'est trop bien, on va pouvoir être des enquêtrices, toi et moi. Oui. Oh, j'espère qu'il y a des gens, ils vont être tués pour qu'on fasse des enquêtes. Alors non, il faut pas espérer ça quand même, Bobby. Non, même pas comme ça, pas dans ce sens-là. Mais j'espère quand même un petit peu. Oui, bon. Mais s'il y a pas de corps, il y a pas d'enquête. Oui, c'est pas faux. Mais après, il faut pas non plus espérer. Non, enfin, tout petit peu quand même, tout petit peu. Mais que des gens méchants qui meurent. Même avant qu'ils soient méchants, ces gens, c'est des êtres humains quand même. D'accord. Bon, on peut pas espérer que les gens meurent. Je suis pas mon grand, moi. Non, je parlais pas à toi, j'étais en course poursuite. Ah bon? Oui. Ah, ça serait chouette. Moi, je sais pas si j'en suis capable de faire ça. Aïe, comment ça? Aïe. Oh, j'ai mis un coup de pare-choc à une voiture qui passe à côté de moi. C'est vrai. Ah bon, bah ça va alors, tout va bien. Si c'est qu'un coup de barjog, on est tranquille. Oui. Mais oui, du coup, s'il peut avoir un stage à la CRIM, ça serait bien. Après, Kazé est aspirant, donc il faudrait quand même voir avec Félix, sachant que c'est Félix le lead. Ben, tu vois avec lui, parce que moi, je vais pas commencer à lui dire quoi faire, hein. Oui, bah oui, non mais t'inquiète pas. Après, c'est Kazé qui a pris l'opportunité, donc à voir si... Oui. Si il va déjà en parler avec Félix. Je crois que Félix en plus n'est pas là pendant quelques jours. D'accord. Bon, faut que je te laisse, faut que j'aille m'acheter des vêtements. Ok. À plus tard. À plus tard, Bobby. Bisous. Bisous. Tout le monde est parti? Oh. Ben. Oui, c'est ça, oui. Bonjour. Bonjour. Je vais aller au... je dois aller au Wizard News. Parce qu'après, il faut que je fasse un... Je couvre le... la remise des prix. Non, la remise des prix du SSP Nord.
Oui, pas de soucis, tu veux que je t'amène? Non, c'est bon, j'ai la bon comète de Alba. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est vrai, j'avais oublié. À tout à l'heure! À tout à l'heure, Bobby. Vous voulez que j'emmène quelque part? Au secours! Il y a vous ici, monsieur. Ah! Oui, il y a... Oh non! Je crois que t'as plus de voiture. Allison! Oui? Ma voiture, elle est tombée dans les égouts! Tu l'avais mise dans le garage ou... Oui! Tu... Mais non, mais j'étais garage, dedans, ouais. Et puis elle est tombée dans les égouts, du coup je suis sortie. Et moi j'ai réussi à sortir des égouts. Ok, attends, on va faire un truc. J'en ai marre de mes bugs. Y'a qu'un moi qui arrive. C'est la première fois que j'ai eu ce bug, j'ai jamais eu. Je vais te prêter ma moto, ok? Non, mais sinon, tu me déposes te PO With The News, après j'ai une voiture. Je te dépose. Oui, With The News, ils ont des voitures. Ça va, Shina, tu vas bien? Coucou, Axo. Oh, wow. Dis donc, t'as une sacrée... cambrure, hein. Merci. Une vraie petite jument. Je sais pas comment trop le prendre, mais pas ouais. Un compliment, parce que chez nous, on en a besoin pour faire la charrue. Aïe. Comme ça qu'on la bourre. J'aime pas trop comme chevauche, Bobby, donc... Ah bon? Oui. Après, ça dépend. Peut-être que t'as pas rencontré la bonne personne pour te chevaucher. Ouais, moi, je papy, pense, je le chevauchais tout le temps quand j'étais petite. Quoi? Ben oui. Il faisait le cheval et je montais sur son dos et on faisait gada gada. Wow. T'as jamais fait ça avec ton papy? Non. T'as jamais chevauché ton papy? Non, jamais. Ah bon? Bah, oui, faudra oui. Que t'essayes, hein, parce que c'est trop drôle. Ah oui, j'imagine. Trop drôle. Super! Merci, Allison. Je t'ai dit à tout à l'heure. À tout à l'heure, Bobby. À plus tard. À plus. J'ai jamais chevauché mon papy. Oh putain, elle est tellement naïve. Elle est tellement naïve. Oh j'adore, putain. Coucou Dasma, j'arrive et l'autre qui chevauche mon papy. Sorry. Ça va Erin aussi, je t'ai vu passer, coucou. Ah je vous jure. J'imagine Allison, mais wesh, qu'est-ce qu'elle me raconte l'autre? Qu'est-ce de quoi? Ça va, je te remercie Bichette. Allez, en espérant que ça bug pas cette fois-ci. Ouais. Allez, let's go, on se dépêche hein, parce qu'il est déjà 21h32. Hein. L'air de rien. Ah là là. Merci pour les follow. Faut que je mette de l'essence. Tu vas avoir le temps, pensez, de faire une tenue. C'est ici, non? C'est dans cette rue. Je sais jamais. Non, c'est la rue parallèle. Elles sont lourdes ces voitures. Là. Vite. Il va falloir que je...
Hop. Quotidien 2. Alors, hop. J'ai envie de faire une tenue un peu écolière aujourd'hui. Mais écolière, pas sexy pute. Hein. Vous commencez pas à vous faire des films, là. On parle de Bobby, je vous rappelle. Mais je sais pas si... Je sais plus. Je sais qu'il y en a une. Déjà toute prête, mais j'aurais aimé qu'elle soit... Oh, faudrait lui mettre une jupe d'écolière avec un petit top. Ou un pull. Il y a pas une... Ah, il y a quoi? Il y a ça? C'est trop court, ça. Non, ça, c'est trop court, ça. C'est joli, mais c'est trop court. Enfin, c'est joli. C'est un bien grand mot pour une jupe, ça. C'est joli, ouais. Ah, ça. Mais pourquoi il y a une fente jusqu'à l'arrêt de la chatte, là Non. On va rencontrer le capitaine. C'est... Ah, il y a ça. C'est un peu rock. Ah, ça pourrait être sa tenue de scène quand elle va faire du rock'n'roll. Non. Faut pas montrer de la peau. Wesh. Mais wesh. C'est ras le cul. C'est une robe ou c'est un haut? Je te jure, choqué. Ça va, Guzman? Enfin, j'ai trouvé ton Twitch. Ah, oh, Bubou, c'est trop gentil. Merci d'être là, en tout cas. Merci pour ton follow. Ça va, tu vas bien? Hop, hop, hop. Attendez, hein, je cherche. Pff, non, on veut rien de trop court. Mais wesh, c'est vraiment trop court, ça. Ça va pas lui aller. Vous vous rappelez qu'avec Réna, on cherchait les fringues qui avaient le moins de tissu possible. Et avec Bobby, on en est à... On veut du tissu. Mais qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Moi, je sais pas. Hein, j'y croyais pas. Non, pantalon. Attends, d'abord, on va regarder tenue complète. On va voir. Je jure, la scène de ça, ça m'a marqué. Ah, ouais, bah, elle était dure à jouer, même pour moi aussi. Hein, je vais pas te mentir. Hein. Oh, c'est trop bien, ça. Ouais, mais on voit son ventre. Faudrait un pantalon qui monte jusqu'en haut. Ouais, j'ai adoré. J'ai vraiment eu une belle fin. Moi, je suis très, très contente. Alors oui, y en a qui diront que je suis une traître, ce que vous voulez. Bon, bah, c'est Kono qui n'ont rien compris. C'est pas grave. Mais j'ai grave kiffé ma scène de fin. De ouf. Vraiment. Ah, attends. Pas mal, ça. J'ai grave kiffé. C'était dur à jouer, on va pas se mentir. J'ai beaucoup pleuré après. Surtout quand Ravière, on a rajouté une couche. Oh, elle est trop jolie, celle-là. Oh, elle est belle, hein, celle-là de... Oh, j'ai trop envie. Attends, fais voir. Alors, attends, parce qu'il faut changer le pantalon. Non, pantalon. Oh, putain, ça va pas, ça. Pourquoi ça dépasse, là? Attends, faudrait... Non, ben non, pas ça. Non plus. Non plus. Non, là, on n'a pas de jambes. Salut la Marseillaise! Nous, on a fait du pâté de gros. Quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Ah! Voilà! Voilà! Là, on l'a. Maintenant, il faut les bras. Alors, les bras, ça va être quoi? Putain. Les bras, les bras. Qu'est-ce que ça serait, les bras? Non, pas ça. Il nous faut du torse et des mains. Et pas de boobs. Bah, pas tout à fait ça. Torse et des mains. Des mains, on a dit des mains, connasse. Enfin, un effort quand même. Ah, c'est peut-être en bas. Oh putain, il y a du boobies là. Hein. Oh shit. Non. 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 J'ai cassé mon crâne. Attendez, je vais mettre de dos. Comme ça. Oh, ça me casse les couilles. C'est pas que je veux pas que vous voyez des boobs, j'en ai rien à foutre, moi. C'est pour YouTube. Après, je suis obligée de mettre pour la monétisation qu'il y a de la nudité. Ça m'énerve. Ça va, putain, c'est des seins avec des points violets, frère. Ah, toujours pas. Hein. Putain, j'avais quoi comme bras? Non, mais attends. Soyons malins. Il n'y a que ça, je crois, hein. Kira. Je crois que cette robe, elle est fucked up. Ah, on y est presque. Non. Pff, putain, il n'y aura rien. Ça marchera pas. On va tester en bas. De nouveau. Je crois qu'on l'aura pas, les gars.
Salut Dylan, comment tu vas? Mais que du coup... Ah. Non. Oh, fais chier. Ah ça, du boobs, y en a. Hein. Ça, y a pas de problème. Hein. Je te... Oh là là, les puissants en exergue, là, je te jure. Il doit être content quand il crée des modes GTA. Y'a rien qui va. Je suis dégoûtée, elle est trop belle cette robe. Ça lui irait trop bien. Faut que je me dépêche. Bon, vas-y, ah, tant pis. Attends, annulé. On annule. Voilà, et on refait viteuf, c'est pas grave. Allez. Du coup, on revient dans les robes. Ouais, faut pas abuser. Y'a pas à fleur celle-là. Wesh. Oh, ça pourrait tellement. Oh! Oh! Oh non, mais j'ai trouvé! J'ai tellement trouvé! Oh, oh putain, j'ai trop trouvé! Les fleurs! Il y a toutes les couleurs, les gars! Ah non, non, mais celle-là! On est obligé! On est obligé de mettre celle-là! Bon, ça passera pas avec la veste, hein! On le sait que ça passera pas avec la veste, hein, aujourd'hui! Ah ouais, non mais elle est trop pipou. Attendez, bon du coup, faut que je trouve les chaussures qui vont avec maintenant. Attendez, pas de talons, hein. On est toujours d'accord sur le fait qu'on met pas de talons. Je vis ma best life. Je vous jure, Ah non mais... Je peux pas, je suis obligée, non? Je mets les Converse jaunes. Attends. Je mets les Converse. Magnifique. Mais tu m'étonnes, magnifique. On met les Converse jaunes, non? Attends, je veux juste voir s'il y a des plus jolies Converse. Oh! Oh putain. Oh non, c'est bon, j'ai trouvé. Petite basket comme ça, non? Ah ouais, mais les noirs, c'est pas ouf. Bah attends, on retient. On retient 206 ou 209. Ok? Vite off. Pour qu'on se dépêche, car il est 41. Ça va, j'ai le temps. J'ai trop envie. J'ai trop... Non, retiens-toi, Pix, tout doux. Oh my god. Nanana. Oh putain, les crocs. Oh, je peux pas. Ah putain, il y a des Converse basses. Oh, il me faudrait ça. Non, ça c'est pas beau. Des Converse basses, ça aurait été trop bien. 206, 209, ouais, on retient. Ça, c'est trop épais, ça. Il y a celle-là, mais ça, c'est trop flash. Ça, c'est pas beau. Il aurait fallu des Converse basses, en fait. Ça aurait été trop, trop bien. Mais je crois que ça existe, mais je sais pas où si eux, ils les ont. Non, ça, c'est moche. Il y a celle-là. Là, on est dans les chaussures de base. Attends. Je regarde, hein, je cherchais quoi ça. On va essayer, pas de pied. Ok. Donc. On a... Ça passe, ça, hein. Pas maintenant, mais un jour, je les mettrai, ceux-là. Hein. Je vous le dis, je vais les mettre. Hein. Oh, putain. Ça passe aussi ça. Hein. Ah, attendez. Nouvelle Converse. Y a pas. Open up the door. C'est celle-là que je disais à la nana hier que j'aimais. Ah, y a celle-là. Tu vois, y a une couleur. Oh. Ah ben voilà. Ça passe, hein, non? Ça fait moins. Enfin, ça fait pas trop, je veux dire, dans le sens. Non? Je pense que c'est mieux ça. C'est plus son style. Ok. Allez, les accessoires. Faut que je me rappelle les boucles d'oreilles. Putain. Faut que je le note, les boucles d'oreilles. Hein. Faut que vous le notiez aussi dans votre tête hein, pour qu'on les retrouve vite à chaque fois. Parce que je galère. Hein. J'ai pas noté. Je sais pas. Ah, on y est. Voyons. C'est celle-là. 243. Faut que j'arrive à me le rappeler. 243. Ok. Allez, on va l'appeler quotidien 3.
Quotidien 3. Créer. Elle me coûte que 30 balles ? Oh, je suis trop contente. Non, je suis trop contente. Que 30 balles. 30 balles la tenue. Parce que personne l'aimait. Attends, deux secondes. C'est dans quoi ? C'est dans un gilet. Mon petit sac à... en cœur, là. Oh, putain. On met quelle couleur aujourd'hui ? Non, mais on met jaune. On est obligé. Et est-ce que la veste marche ? Si elle marche, la mets, hein, je vous le dis. Je sais pas où elle est. Non, elle va pas marcher. Hein. Ouais, faut pas abuser. Ça aurait été trop beau. Putain, je suis gaffe. Non, ça marche pas. Ça va, attends. Hop, hop. Ça passe, non, avec le petit sac ? C'est une chute. C'est une chute de rideau. Mais oui, mais c'est trop ça. Mais oui. Oui, 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 oui. Non, mais c'est parfait. C'est parfait. C'est juste dommage, je voulais mettre j'aurais bien aimé un petit collier ou quoi, tu vois, mais je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que j'ai déjà les accessoires, c'est les... Attends, dans les chapeaux, s'il te plaît. Il y a pas un... Oh, si, je sais ce que je vais mettre. Attendez. Ça ? Ça fait trop, non ? Peut-être un peu. Oh, les jaunes. Ah oui, non, mais si, je vais acheter en espèces. Gilet acheté en espèces. Et voilà, ah, on a la tenue au complet. Eh ouais. Attends. Oh, je suis trop. Ah non, mais elle est trop bien. Dis-moi, elle est trop bien. Dis-moi, elle est pas. Dites-moi, elle est pas bien. Elle est canon. Elle est trop canon. Je suis trop fière. Ah, je suis trop fière. Elle est magnifique. Dans son horreur, elle... Mais on saute toujours pour là pour faire chier. Elle est magnifique. Ne dis pas bof, tu vas te prendre un Théo. Elle est trop belle. Avec sa démarche de conne, là. Allez, c'est parti. On postera l'article après, j'ai pas le temps, là. Faut que j'aille mettre le... On va mettre de l'essence. Je suis trop fière. Je suis dans ma connerie, je suis trop fière. Voilà. Trop contente. Faut que j'apprenne une chanson de Billie Eilish. Oh là là. Billie Eilish. Faudrait que j'apprenne une chanson d'elle. Pas trop compliqué à chanter, à cappella. C'est rare hein, que je chante les chansons des autres. Mais j'avoue que Billie Eilish, plus vite. Hein. Elle est superbe. C'est donc ça, la vraie folie de Pix. Claro que si. Tu la compares à Arena ou si je dis bof. Je la compare pas à Arena. Je peux pas la comparer, elles sont incomparables. Elles sont complètement à l'opposé. C'est deux extrêmes. D'ailleurs, je me demande qui pourrait tomber amoureux d'elle quand même. Ross, peut-être on arrivera à l'avoir. Mais bon, il aura froid. On pourra lui dire là cette fois-ci. Ah, tu veux. Hein. Parce qu'il faut en vouloir pour avoir Bobby. Hein. Le pauvre, il a rien demandé, ils s'en prend plein la gueule. Faut qu'on crée un compte Instagram aussi. Moi, je vais faire tous les jours une tenue. One day, one outfit. Ocean Eyes de Billy. Ouais. Elle est simple à chanter. Ok, d'accord, je regarderai. Mais ça me parle, je vois celle dont tu me parles. Mais t'inquiète pas, Noah, pourquoi tu t'excuses, chouchou ? J'aime bien Alexia, moi. Alexia, tu parles de qui ? Tu parles de Circle ? C'est ça ? Oignon. Oignon quoi, ma chouchou ? Wow.
ouais, c'est trop bien la voiture. C'est une voiture de PNJ, ça? Non, au bout d'un moment. Ah ouais, elle est trop cool. Elle est trop cool. Ah putain, j'ai de l'argent, faudrait que je dépose. On va le déposer. J'ai pas envie qu'on me vole. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas envie qu'on me dérobe. J'ai pas envie qu'on me dérobe mon argent. La voiture. Qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi t'es énervé? Qu'est-ce qu'il y a encore, quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi? Parce que tu t'es raté dans ton point d'exclamation follow? T'as fait quoi? Je te jure. Bonjour, Flexi! La politesse! Hop! Alors, où est-ce qu'il y aurait un... Là-bas. Non? Non. Je sais plus. Aidez-moi. Je suis perdue. Oh, Cucu, merci pour ton prime. Coucou, Major, je t'avais pas vu. Ça va? Je proposais la voix. Balde à tous ceux qui disent pas bon. Attends, c'est la loi? C'est quoi la loi VALDV? VALD? Je sais pas ce que c'est. Pas bonjour. Ça va, Major, je te remercie. Est-ce que le serveur RP c'est Flashback FA? Attention, les majuscules elles sont interdites sur le serve, sur le chat. C'est drôle, hein. Il y a quand même un règlement que vous validez. Allô, les gars, faites un effort, c'est pas méchant, hein. Mais quand vous arrivez sur le chat, vous validez un putain de règlement, quoi. Qui vous dit, quand vous arrivez, vous dites bonjour et vous mettez pas de mage dans le chat. Donc c'est pour me gueuler dessus, ça marche pas. Recommence, tu peux y arriver. Désolée, j'ai effacé un message involontairement. Recommence avec de la douceur et de l'amour et on te répondra. Alors, c'est quoi qu'on va faire? Déposer. Du coup, j'ai plus 1 000 $ sur moi. On va déposer déjà 800. Make a little lips, I'm gonna be on my mama. Ah, David, il m'appelle. Merde. Allô? Ouais, Bobby, comment tu vas? Ça va bien, ma fille? Toi? Ça va très bien, ça va très bien. On va... Je prépare un petit voyage aux îles Galapagos. On fait un aller-retour. Oui. Il faudrait que je te présente ma fille. Oui, avec plaisir. Parce que tu sais, elle est très douée dans l'audiovisuel et dans tout ce qui est vidéo et tout ça. Et, c'est vrai. Elle faudrait très... Oui, vraiment. Quand je te dis qu'elle a vraiment un talent. The News. Elle voudrait. Elle aimerait bien. Donc c'est pour ça. Je pense que ça serait très bon élément, vraiment. Ben, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le numéro de ma patronne. Très bien, je veux bien. Comme ça, on prend rendez-vous et... Oui. Et ouais, c'est super. Parce merci, qu'il y a Bobby. Beaucoup de choses à faire au Weasel News et il faut vraiment qu'ils mettent en avant ses capacités de tout ce que tu viens de me dire. Monteuse et tout ça, ouais, bien oui. sûr. Oui. Mais écoute, c'est super. Tu peux m'envoyer ça quand? Je t'envoie ça maintenant. Vas-y, c'est super, Bobby. Bah écoute, je fais un bisou, on se revoit plus tard. Oui, bah amusez-vous bien, Galapagos. Merci, merci. Faites des photos. Vas-y, on fait des photos, t'inquiète, on prend des photos. D'accord, bisous. Excellent. À plus tard. Tchac. Non.
David. Coucou ma chaké, comment ça va? Tu vas bien? Ça va? J'adore le retour de Bobby. Merci Major. T'es un amour. Je voulais aller où? Ah oui, c'est l'aéroport de Sandy. Attends, je suis lost. C'est où l'aéroport de Sandy? C'est là-bas. Là-bas. Père, il est. Oh, vite, on va être à la bourre. Je vais arriver à être à la bourre. Pourquoi c'est à l'aéroport de Sandy? D'ailleurs, je voulais aller faire une tenue. Ma tenue est fin prête. Posée sur ton live, ma boubougne. Mouah, mouah, mouah. M'a dit à l'aéroport. C'est là l'aéroport de Sandy. Attends, je vais appeler Ross. Parce que j'y comprends rien. Hello Bobby. Oui, je suis désolée, vous t'embêtez encore, mais comme je connais pas bien le Nord, je crois que j'y suis, mais je vois personne. On arrive dans 5 minutes. Ah, c'est un gros hangar tout rouillé, tout pas beau. Ouais, mais c'est au bout de la piste. Ah, faut que je roule sur la piste. Ouais, tu roules sur la piste et tu vas tout au fond. D'accord. Normalement, tu verras, il y a des bancs avec une estrade et tout. D'accord, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Bobby. Ah là! Ah! Oh! Pourquoi c'est là? c'est un peu tristoun de le faire là, non? Alors. Ah, je suis pas en service, je crois. Faut qu'on fasse un compte Insta. Comment on pourrait l'appeler? Oui. Oui, bah du coup, j'ai changé de plan. Le capitaine a dit que non, on le faisait à Rockswood. C'est où ça? Tu vois là où t'as fait, là où il y avait la soirée du Nautica? Oui. Et bah c'est là-bas. C'est là où il y a le Nautica? C'est après. Genre la route, tu prends la route du Nautica? Et tu continues toujours tout droit, tu auras un grand parc d'attractions aquatiques. Et c'est sur le parking de ce parc aquatique. D'accord, bah je fais plus vite alors. Ouais, je t'envoie la pause. Merci. Quand je suis ok. D'accord. Vas-y, à tout à l'heure. À plus tard. Putain, mais ça va l'opposé du bout du monde quoi. Non. Ça doit être là. Attends, il me fait passer par où? Pourquoi pas. Allez, on est parti. Je vais préférer. Faut que je prenne l'autoroute le plus rapidement possible. J'ai le nom de Bobby en trois mots. Comment ça? Comment ça t'as le nom de Bobby en trois mots? Ça veut dire quoi? Dis-moi, je suis curieuse. Comment ça t'as le nom de Bobby en trois mots? T'as vu la robe, Chaké? Ah, j'ai fait une tenue spécifique hein, pour aujourd'hui. J'ai senti la totale. Elle est très printanière. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Le nom du compte Insta. Vas-y, dis-moi. J'ai le nom. Ah, tu parles, c'est Bobby en trois mots, le nom? Parce que c'est long, là, quand même, comme nom de... Non?
Pourquoi en trois mots? Pourquoi en trois mots d'ailleurs? Non mais attends, Raik, il me faut du contenu là, moi je comprends pas ce que... Parce que... Bobby... Quel bâtard. On pourrait faire ça, bébé Bobby. Bobby News, les nounous nouvelles arrivent plus vite que les fans. Vous êtes incroyables. Ah, je vous adore. Putain, vous avez grave de l'imagination, vous me régalez. Ouais, faut qu'on trouve un truc simple mais bien. Je suis d'accord avec vous, après ce que vous proposez c'est ouf, mais faut qu'on arrive à trouver plus simple. On m'a fait peur, elle. On n'a pas le temps, c'est les infos. C'est pas là? C'est ça. Elle est trop fière, elle a les gyrophares. Bobby, elle est à fond. Trop fière. Et ouais, nous on a les sirènes. T'as cru quoi? Cherche sac de voyelle. Oh, urgent, vous êtes horrible. Alors, il m'a dit. Tu vas jusqu'au. Parc aquatique. Et là, il y aura un parking. Tu vas sur le parking. Plus loin, ok, le Marina Beach. Je crois que c'est là-bas. C'est comme ça? Allez, ça part. Ça va? Ça va et toi? Oui. Est-ce qu'on a tout le monde à la cérémonie là? Ok. Les radios ne marchent absolument pas. Ah bon? Je sais pas, c'est une question. Ils sont désactivés, les radios. Oui, c'est désactivé. Ok. Je sais pas si elle peut être réactivée, la radio, mais. C'est ok, bon. Eh ben écoutez, on. Hein? Non, ça remarche. Ça remarche, la radio. Essayez de voir. Moi. Moi, ça marche pas en tout cas. Non, ça marche pas. Ok, bon, on va faire sans, ok? Bah, déjà, bonsoir à tous et du coup, bienvenue à la cérémonie du 21 août 2024. C'est la dernière cérémonie de cet été. Je suis dans le champ, donc, ça me stresse. Bonsoir. Dernière cérémonie de cet été. On approche bientôt, à grands pas quand même, de la fin d'année. En réalité, ça va aller très vite. Du coup, voilà. On va dire qu'en ce moment, on est dans une période très creuse. Au niveau de SSP Nord, les recrutements... On va dire qu'on a un petit peu de mal. Après, ça arrive. Hein. C'est des phases comme ça. Vous pouvez vous mettre au relevé. C'est des phases comme ça. On va se relever. De toute façon, même si on n'est pas très très nombreux au poste Nord, ben, comme vous pouvez le voir tous les soirs, on arrive à quand même être une dizaine, quinzaine quasiment des fois.
Ah, donc voilà, on est plus que la moitié en service et c'est déjà très bien. Également, du coup, je vais le faire maintenant, comme ça je vais pas le refaire plus tard. Les divisions et les brigades sont actuellement en recherche de nouveaux membres. Bon, la DOA, on va dire que là il y a énormément de demandes, et côté crime, on a encore une ou deux places, un truc comme ça, dans la totalité. Et après, il y a pas mal de brigades qui sont en manque. On ne va jamais dans la crime, du coup. De co-lead, de lead, ou enfin pas de lead, mais de co-lead au moins, et du coup de membres en général. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est très important pour votre carrière et pour le poste nord en globalité. Mis à part ça, du coup, il n'y aura pas d'hymne américain, hein, je crois, vu que... Armand qui s'est désigné pour la chanter. Non, non, c'est faux. Vas-y, Armand, viens demain. Merci et viens chanter l'hymne américain. Merci Armand. Allez, viens. Pour l'Amérique. Moi, je pourrais le chanter. Mais je vas-y, chante-nous l'hymne américain. La fangirl. Ah, nous en faut de la patrie, c'est ça? Exactement, vas-y. J'entends pas Armand. Cri. Vous pouvez faire les bacs. Nous sommes en cérémonie, dites-nous. On en a demandé deux. Vas-y Armand, lance-toi. Tout le monde Attends, je réfléchis. Il va chanter, monsieur. Moi je peux, moi, s'il faut. Hein. Ou sinon, si on a un très bon chanteur ou une chanteuse. Américaine. L'hymne national, vous voulez venir chanter? Moi? Oui, vous. Vas-y, va chanter. En plus, mais attends, parce que je sais plus. Bon, vous êtes prêts? Allez-y. Non, il va chanter. Dégage. Non, il sait pas chanter. Vas-y, Bobby. Non, mais attends, mais parce que j'ai pas les paroles sous le nez. Attends. Bonjour. Attends, regarde sur mon Google. Allez-y. Putain, je m'en rappelle plus. Attends, j'en ai une musique. Pourquoi j'entends pas le son? J'arrive, hein. Deux secondes. Oui, allez, prenez votre temps. Pardon. Ah, c'était pas prévu, hein, on va dire. Bah non, moi non plus, c'était pas prévu. Vous êtes qui, vous, du coup, monsieur? Si vous avez pas de quoi le faire, on a un agent qui pourra le faire, hein, dans tous les cas. D'accord. Putain. Je suis désolée d'avance. Oui, y'a pas de problème. Oui, allez-y. D'accord. Et tout le monde salue, s'il vous plaît. Moi aussi. Ben, vous chantez donc comme vous voulez. Attends. Moi aussi. Okay. Oh, say can you see by the dawn early light. Attendez, il faut que je refasse en plus grave. Allez-y. Oh, say can you see by the dawn early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripe and bright stars through perilous fight, o'er the rampart glare and the bombasting stream, and the rockets were glare and the bomb bursting air gave proof through the night that our flag was still there.
Oh, say does that star-spangled banner wave o'er the lands of the free and the home of the brave. Félicitations, c'était incroyable. Félicitations. Merci beaucoup. Super forte. Du coup, on va passer à la cérémonie, tout simplement. On va commencer par les rookies. Je la déteste, Emine. Franchement, je déteste. Elle est horrible. Du coup, pour les montées de rookie à officien. D'ailleurs, bonsoir le SMD qui vient d'arriver. Bonsoir le Weasel News. Après, j'ai tout le également. Temps dans la tête. Et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes que je ne connais pas. Weasel News représente. Exactement. Du coup, pour les montées de rookie à officier 1, pour commencer, je vais appeler Billy Delgado. Est-ce que tu pourrais t'avancer, s'il te plaît? Comment tu te sens en ce moment au sein du poste Nord, là? Bah, très bien. Je m'intègre malgré ma différence. La différence de? De peau. La différence hein de peau. Tu sais, c'est parce que t'es mexicain? Oui. D'accord, ok, bah vas-y, continue. Et non, sinon je me sens bien, les collègues sont bien avec moi. Franchement, je commence à prendre un petit peu mes marques, tout ça, j'apprends toujours. Hein. Faut jamais rester sur des acquis, et de toute façon je suis que rookie, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, mais ouais, je me sens bien. Ouais. Et bah écoute, t'es un rookie qui a appris pas mal de choses, et donc maintenant tu vas être un officier qui va apprendre encore un peu plus. Donc félicitations à toi, tu montes au grade de officier. Merci. Bravo. Pour continuer, Armand, est-ce que tu pourrais t'avancer, s'il te plaît? Tu te sens bien au sein du poste Nord? Oui, je me sens bien. Même si on m'accuse de quelques trucs, je me sens très bien au sein de ce poste Nord. J'ai trouvé ma place dans cette grande famille. Ouais. Et j'espère qu'on continuera à la faire perpétuer, cette famille. Ok, très bien. Eh ben, écoute, tu peux aller t'asseoir. Voilà. Il a été au premier ou pas? Du coup, pour les montées de officier 1 à officier 2, est-ce que Wyatt, tu es là? Elle a l'air heureuse, mademoiselle, en tout cas, ce qui est plus bien. Comment tu te sens, Wyatt? Bah, je me sens bien, et vous? Eh ben, écoute, moi, je me sens bien. Je me sens bien également. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment un peu ta carrière, qu'est-ce que tu vois un peu en tant qu'officier 2, tout ça? Là, le crâne nuisant. Alors, attends. Désolé, hein, je vous donne la gerbe peut-être, je suis navré, je sais pas. Peux-tu me répéter la question, pardon, parce que du coup il a parlé. Qu'est-ce que tu vois pour ta carrière du coup? Qu'est-ce que tu veux rejoindre comme division, comme brigade ou autre là pour. Bon, en termes de brigade, j'ai déjà rejoint la HP là actuellement. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres brigades vraiment qui m'intéressent. Il y avait la PS, mais on m'a dit que c'était un peu fermé. Sinon, en termes de brigade, je vois bien la DOA ou la crime, mais surtout la DOA. Ok, ouais, laisse-moi la crime. Moi, je veux la crime. Eh ben, écoute, et la PA aussi. Tu vas pouvoir rejoindre une division parce que tu montes au grade de officier. De félicitations à toi. Merci. Félicitations, vous êtes incroyable. C'est toi qui es incroyable. Armand, tu pourrais revenir, s'il te plaît. Bon, pour être un peu plus sérieux avec toi, tu ne vas pas monter tout de suite. On va attendre un peu parce que tu as fait quand même pas mal de bêtises. Tu as reçu un avertissement il y a pas très longtemps. Mais d'ici les deux prochaines semaines, si tu fais le taf, eh ben tu vas monter. Est-ce que tu m'as bien compris ou pas? D'accord. Donc je compte sur toi pour te donner au maximum, pour du coup te concentrer et faire du bon travail. Et on compte sur toi pour l'avenir, d'accord? Affirmatif, mon capitaine. Donc là, c'est des encouragements. Tu peux être quand même fier de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Mon capitaine. Il a perdu ses cheveux. Courage, Armand, courage. Courage. Pour les montées de officier 1 à officier 2, du coup, je vais appeler Sacha Smith. Est-ce que tu pourrais t'avancer, s'il te plaît? Comment ça va, Sacha? Ça va super bien, et vous? Bah écoute, moi ça va nickel. Hein. Comment tu te sens en ce moment-là? En vrai, je me sens super bien dans le poste Nord, Capuchef. Ah, très bien. Tu te sens bien? Un peu plus fort, Sacha, s'il te plaît. Merde, désolé, oui, super bien, Capuchef.
Eh ben écoute, tant mieux, parce que Sacha, c'est du très bon travail. Le nom de mon beau-frère et le nom et, du chien du coup, de si, mon oncle et ma tante. T'as ce truc-là de rester un petit peu discret, eh ben, on compte sur toi pour pouvoir continuer. Et du coup, bah, maintenant, tu vas pouvoir rejoindre une division ou une brigade, n'importe comme tu veux. Donc, félicitations à toi. Merci. Et félicitations, Sacha. Félicitations, Sacha. Oh, félicitations, Sacha. Félicitations, Sacha. Du coup, est-ce que Tom Brown et Mason Bridge, vous êtes là? Oui. Affirmatif. Est-ce que vous pouvez vous avancer, s'il vous plaît? Ok. Du coup, c'était surtout des... Là, si je vous demande de vous avancer, c'est surtout pour des encouragements. Parce qu'actuellement, vous faites du très bon travail, d'accord? Mason, tu es monté il n'y a pas très longtemps, donc là, on va te laisser un peu de temps pour faire tes preuves en tant qu'officier 2. Tom, pareil. On compte sur vous, d'accord? Parce que j'en suis sûr que vous pouvez encore faire du meilleur travail que vous faites actuellement. Donc, continuez comme ça, et puis je pense que vous irez loin, ok? C'est bien pris, merci beaucoup. Merci félicitations beaucoup. À vous les mecs. Ouais, les collègues. Merci. Bravo, merci. Bravo. Courage, courage. C'était une toute petite cérémonie, c'est vrai. Non. Fiston, ne pas dire ça. Je sais pas, ok. Du coup, comme vous le voyez, c'est une toute petite cérémonie. Hein. Malheureusement, ça va aussi avec ben les comment dire le nombre de postes qu'on a actuellement au poste nord. Du coup, ça sera tout pour cette petite cérémonie. Mais faut arrêter de dénigrer. Est-ce que les EMS vous avez un message à faire passer ou le Weasel News peut-être? Ils dénigrent trop, je trouve. Hein. C'est dommage. Faut pas dénigrer comme ça. Pas du tout. Je sais que c'est dur pour eux, mais je les comprends. Ouais, hein. Personne ne veut aller jouer dans le nord. Okay. Mais... Pas de soucis. Le SASP, non, je sais pas pourquoi. Ils ont vraiment une mauvaise réputation. Et surtout chez les streamers, il y a beaucoup de streamers qui préfèrent aller dans le sud. Et je peux que comprendre aussi, parce que dans le sud, t'as beaucoup plus d'action. J'ai oublié, Lucie. Tu deviens lead BS, félicitations à toi. Félicitations. 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 Félicitations à toi. Du coup. Comme toute bonne nouvelle, vous voulez vous présenter, donner votre numéro ou autre, comme ça on vous appellera plus facilement. Je vais vous annoncer mauvaise nouvelle. Pourquoi convocation après la cérémonie. S'il y a des interventions autres. On voudrait voir Armand, Billy, Jiwoo, Wyatt, oui. Lucie, Lawson, oui. Sacha, Tessa, oui. Nathan et Rose. Wow. Oui, mais après ils ont le service. Rose ou Ross directement. Rose. Ok. Non, mais c'est vrai, mais c'est juste que bah, du coup, vu que vous êtes venu là directement, ça si. Si vous voulez, je sais pas, si vous avez un message à faire passer ou autre, oui, ben. Ben c'est, vous êtes les bienvenus. D'accord. Si tu veux y aller. Ah, si, toi. C'est une convocation. Moi, je connaissais déjà d'une part, mais vas-y. Non, on va vous appeler. Tu dis ton nom. Oui, je veux que je te tienne la main. Sergent-chef, ça marche. Je t'ai pas appelé, Mason. Oui, non, c'est moi qui vous appelle. Oui, dis-moi. C'était pour savoir si vous avez dit mon nom. Bah, non, du coup, non, je ne t'ai pas appelé, Mason. Ah, d'accord, excusez-moi. J'avais pas compris, excusez-moi. Ok, bah du coup, c'est bon pour tout le monde. Ok, et bah du coup, juste le Weasel News, bah je vous laisse vous avancer si vous avez un petit message à faire passer. T'inquiète, je suis là. Du coup, moi c'est Bobby Tripotin et on travaille au Weasel News et que si vous voulez mon numéro de téléphone pour passer par le service, c'est 2538. Voilà. Ok, donc vous le savez. Merci maintenant, s'il y a des interventions ou autres, n'hésitez pas à passer par la centrale et si la centrale ne répond pas pour X ou Y raison, bah, passez par un numéro de téléphone. Voilà tout simplement. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, mis à part que on continue dans ce lancer, d'accord? On continue le travail, le bon travail qu'on fait actuellement et puis je suis très content quand même de vous et du travail que vous faites actuellement. Donc voilà. Je pense qu'on va pouvoir tous retourner à nos véhicules. Est-ce que les médecins, vous avez quelque chose ou sinon on va pouvoir y aller? Non. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je vous remercie tous d'être venus pour la petite cérémonie. Et du coup, bah, pour tous les agents, vous allez pouvoir retourner au poste en salle de dispatch. Et on va. Quoi, capitaine, on va passer à la suite. Il a le temps de me voir. Merci, okay. C'est bon. Bonne soirée, tout le monde. Attendez, je finis. Bonne soirée. Bonne soirée, tout le monde. Il s'est cassé la figure. Ça va, capitaine? Oui. Ça va bien? Oui.
Tu vas bien? Je peux essayer de reparler. Ça va. Salut, vous voir. Oui, vous, mais hier soir vous deviez venir dans mon bureau, mais vous êtes pas venu. Ah bon? Oui, j'en ai parlé avec. J'en ai parlé avec Ross, il devait vous transmettre le message. Attendez, il m'a transmis, je crois, quelque chose, mais il m'a pas dit que je devais venir dans votre bureau. Ah si, ah non, peut-être. Il m'a juste donné votre numéro. Et bah, si vous êtes disponible, moi c'est 1553, d'accord? 1553. Oui, parce que il faut que je vous interview. Parce que en fait, il faut que je fasse des interviews sur les gens que moi je trouve que ça représente la haute des têtes de Los Santos. Et je me suis dit, le mieux c'est capitaine de police, procureur et maire. Mm-hmm. Écoutez, dès que vous êtes disponible, vous m'appelez. Là, j'ai un petit rendez-vous, donc je vais pas l'être. Un petit peu plus tard dans la soirée, n'hésitez pas à m'appeler, quoi. Mais vous donnez mon numéro ? Pas ? Oui, allez-y, donnez-moi votre numéro. 2538. Comme ça, vous m'envoyez un message, vous. Vous me dites quand vous êtes dispo, parce que moi, j'ai pas envie de vous embêter, en fait. Je pense pas que vous allez m'embêter. Bobby, c'est avec un Y ou... C'est deux B, B-O-B-B-I-E. C'est français. Et votre nom de famille ? Tripotin. Ok. Écoutez, nickel. Écoutez, je vous appelle dans la soirée, oui. Et puis on s'organise ça, d'accord? Oui, d'accord. Merci beaucoup. À bientôt. De rien. À bientôt. Bon courage. Attrapez tous les méchants. Merci. Bonne soirée. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à vous. J'ai fait aussi des photos. Si tu veux, je te les partagerai sur le truc. Pas de souci. Comme ça, tu vas faire l'article. J'en ai fait. C'est toi, tu fais l'article? Comment ça, on passe au poste? Comme tu veux. Ben oui, t'étais là avant. Ah. Bah ben, parce que moi, on m'a envoyé la position du Saint-Ichard, d'ailleurs. Oui, mais moi aussi, on m'a dit c'était en Dijichard, mais en fait, après, on m'a dit non, c'est Rockswood. Mais j'ai fait plein de photos, si tu veux. Capitaine. Donc tu pourras les utiliser. J'en ai aussi fait quelques-unes, je pourrais aussi les... Comme ça, on se partage tout sur le truc de qu'elle a dit, Selena. Ça te va? Ça me va. D'accord, à tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Ross? Il m'a dit désolé, j'étais obligée de te demander de chanter, j'ai vu ton talent. T'inquiète pas. Ok. Alors, bonsoir. Décalons 23h30, j'ai pas le choix, c'est bon pour vous? Parfait. Nanana. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il y en a? Bonsoir, je vais venir. Bulle. Ah. Avec Bobby de News Les Infos, je t'entends pour avoir les infos fraîches, mais de ouf. Ça serait tellement plus facile. T'imagines? Tu dis que les gens ils sont morts en chantant, mais avec une chanson hyper gay, tu sais. Il y a une prise d'otage, il y a eu 40 blessés. L'angoisse. La meuf elle arrive qu'à le dire comme ça, tu sais, en chantant. L'horreur. Oh putain. On souhaite nos condoléances à toute la famille. Ah, j'imagine, c'est atroce. Atroce. Peut-être un autre groupe à la hauteur des Mayans pour faire bouger un peu le nord, je pense. Ouais.
Je crois qu'il y a genre la Malta qui a décidé de se réveiller maintenant là. Mais je crois qu'ils se prennent un bad buzz dans la Malta, vraiment pour le coup. Après c'est pas de la faute des groupes hein, c'est comme ça, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un gros bad buzz autour de la Malta quoi. Les gens sont pas forcément très très happy de ce qu'ils proposent. C'est un peu, c'est comme ça, après c'est le jeu, tu vois, moi je dis franchement, faut pas faire un comment dire, faut pas faire affront à tous les groupes parce que, mais bon, wesh, il s'est pressé lui. Pour le nom du canton, Bobby Flower, je trouve pas mal. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai envie de le faire, en mode c'est Bobby, tu vois, et en même temps, je me dis, faudrait peut-être un pseudo. Un pseudo, peut-être un mot irlandais ou quelque chose, tu vois. Bon, malheureusement, je ne sais pas parler le gaélois, gaélish, comment on dit en français, le gallois. Gaélois. Bobby les potins. Oh, c'est pas mal, Mehdi. Ah, c'est pas mal, Bobby les potins. En plus, ça a fait un rappel à Tripotin. La maillot ne monte plus. C'est nul. Cucu, nul. Oui. Oui. Oui, oui, oui. La clover. En ce moment, je suis en train de me donner des vibes de musique irlandaise pour pouvoir chanter des impros, tu vois, genre vraiment des impros. Tout à l'heure, j'ai fait une impro, j'étais trop fière de moi. Je chantais à tue-tête avant de danser le live, j'étais là, ouais, ça rend trop bien. J'ai oublié la moitié des paroles que j'ai chantées. Je suis deg. En plus, il y avait un truc, il y avait vraiment quelque chose, mais j'ai oublié. Parce qu'après, c'était vraiment de l'impro pour le coup. Mais j'ai trop envie, tu sais, de trouver... genre une vibe irlandaise, j'essaierai après. Je me poserai 5 minutes, on essaiera. Les Irlandais, ils aiment bien chanter sur les marins. Parce que vu que c'est une île, c'est toujours les sailors qui prennent la mer et tout. Et qui abandonnent leur femme sur la falaise et qui partent, les larmes aux yeux. C'est toujours un moyen aussi, c'est des trucs à l'aventure. C'est quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il se raconte ? Bonjour ! Bonne mulet est ouvert. Ok. J'avais jamais vu les jeux attachés, Bobby. Le problème, c'est que je vais pas les attacher souvent parce que je me suis rendu compte que c'était la coupe de cheveux de Soura. Donc, je suis rousse. Et si jamais, en plus de ça, je mets la coupe de cheveux de Soura, je les sens, les petits, là. Je les sens, les petits qui vont venir me voir. T'as pas d'imagination. Non, trou du cul. C'est que j'ai des cheveux au carré, que c'est la seule coupe qui est cohérente. Mais je vous montrerai après. Mais c'est exact. En fait, c'est la même. Je crois que c'est vraiment. Il y a deux coupes comme ça. Et je crois que elle en a une et moi j'ai pris l'autre, quoi. Tu vois, mais c'est quasiment la même. Le problème, c'est que Soura est quasiment rousse. Moi, je suis rousse. Alors si je m'attache les cheveux en plus comme elle, oh là là. Et puis en plus, je vais faire SASP, hein. Oh là là, mon dieu. Je fais tout comme elle, hein. Je le sens, mais je le sens. Je le sens venir gros comme une baraque. Je sens les petits gueux en exergue là. Tu sais, oh putain, je les vois arriver de loin. Mais calmez-vous, calmez-vous. Ah là là. Oula, il y a du bouchon. C'est un bouchonnage. T'as pas chelé pour les reculements? Non, toujours pas. C'est dans 3 semaines pour moi. Attends, ah oui, d'ailleurs, je vais appeler Ross. Je vais le gronder. Je sais pas s'il va répondre. Il est au travail, donc ça va être compliqué.
C'est compliqué. Nobody home. Ah, LTD Rotsoul. Ah, il y a un LTD qui est à Rotsoul, hein. Je te rappelle. On voulait aller où? On voulait aller... Ah oui, au Weezer News. Au Weezer News. On va aller poster notre article. Faudrait que je me fasse une carte de presse autour du cou, là. En accessoire. Cette démarche. Alors. C'est dans les bureaux. C'est dans le bureau de la patronne. Je crois que c'est là. Hein. Récupérer la paix. Ah oh putain, je sais plus. Attends, elle a fait un tuto. On va lire le tuto. Parce que je sais que je galère. Alors, pour poster une affiche, compte tenu du message. Mais c'est où? C'est là? Ou c'est là? Liste des textures, recherche des textures, nombre de total de textures. Wesh. Je comprends pas. Compte tenu du message. Text and titre. Je comprends pas. Attends. Alors, compte tenu du message, il faut faire étoile, étoile, weasel, news, étoile, étoile. Titre, titre, article ou nouvelle couverture du jour. Attendez, je vais regarder. Je comprends rien. Ça nous aurait étonné. Hein. Bah après, c'est la première fois que je le fais, donc journaux. Une héritière. Ah oui, donc elle a mis le titre. Donc moi, mon titre... Ah oui, mais faut que je le télécharge sur machin. Attendez, faut que je mette 4 box. Select image article Noctica. Le titre de mon article, c'est l'article. C'est quoi le titre de mon article? Attendez, faut que je regarde dans mon truc à moi. Alors, surf, catch. Groupe de parole. Echidna. Ping. Mais est-ce qu'il faut que je mette... Pourquoi elle a mis entre parenthèses, entre guillemets? Je comprends pas pourquoi il y a des guillemets en fait. On verra. Je sais pas. Je suis dans la merde. Ensuite, il y a quoi? Contenu, un texte lié à l'article ou sponsorisé pas. Donc, il n'y a rien. URL. Donc, l'URL. Hop. C'est là. Ah, attends. Hop.
Quoi ça, le lien de l'image? J'ai pété mon crâne. J'ai pas d'image, moi. Tout est dedans, déjà. Ah, je vais péter mon crâne. Je vais appeler Selena. Oui, allô, Bobby. Oui, je suis désolée de t'embêter. Je vais poster l'article et je voudrais être sûre que je ne fais pas des bêtises. J'arrive au visage, de toute façon, là. Ça va, quoi? Ça va? Ça va? On va pocher! Qui t'a poché? Non! Une voiture, je veux le visage, j'en ai marre. C'est le karma du visage, j'ai l'impression. J'en ai marre du prisonnage devant le visage. Maintenant, je me fais faucher devant le visage. Ça va? C'est tu moi. Vas appeler les médecins? Oui, c'est pas grave. T'étais sûr? C'est contre sens, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'arrive, Bobby, t'inquiète. D'accord, je t'étais. Non, c'est moi. Courage. Elle me tue. Là, on a l'article, on le voit. Ah, oh, fuck. Non. Ah, merde. Surf. Virgule. Catch. Groupe de parole. Et kidnapping. On va y arriver. Hein. Mange pas tes doigts. Ouais, j'ai des peaux, ça me stresse en ce moment, ça me casse les couilles. J'arrête. Je vais boire, tiens, j'ai soif. Il me reste de l'eau. Ouais. Mmh. On oublie que l'eau quand même. Ah, c'est magique. Mmh. Mmh. J'ai envie de me... Ah! Désolée. Faites pas ce que je fais, c'est pas bien. En ce moment, j'arrête pas de me bouffer les peaux. Je comprends rien. J'aime pas quand je comprends pas. L'eau bien fraîche, mais de ouf. Mais j'ai eu une semaine coca quand même. Il m'en reste pas beaucoup. Ah, je me suis reversée dessus! À pas se plaindre. J'ai très chaud ce soir, je sais pas pourquoi. Ah, si, je sais pourquoi, je suis en période hormonale, donc forcément j'ai... Ça va. Je suis là. Oui, alors je t'explique. J'ai mis, au contenu du message, j'ai fait deux astérix Weasel News, deux astérix. Pas obligé, tu peux juste mettre Weasel News. Ah. Attends, tout le temps, alors je remets. T'inquiète. T'inquiète pas, le premier j'ai loupé, j'ai pas mis la photo donc j'ai me remodifié. On peut toujours rééditer le dernier message qu'on a mis. Donc, d'accord, c'est bon à savoir. J'ai mis le titre. Si j'ai posté un truc après. Et c'est ça. Contenu, j'ai rien mis parce qu'il y a rien à mettre. Oui, juste soutenir, tu peux mettre ce que j'ai mis. Il faudrait que je copie des choses que j'ai mis. Ah, attends, qu'est-ce que t'as écrit du coup? Attends, je vais copier ça, hop, je vais le mettre dans un truc, t'inquiète. Tu avais écrit quoi? Ah, sponsorisé par. Mais c'est pas sponsorisé, si. I get over one. Tu peux copier dans le lien oui, utile. Bon. J'ai pris. Tu mets ça dessus. Allez, ça c'est mis. Ensuite, vas-y. J'ai mis l'URL de la catbox. C'est ça. Tu remets en dessous pareil. Le pour soutenir. Ah non, je remets l'URL du catbox. Oui. Alors, attends. Attends, je vais être sûre. Je vais regarder. Je vais mettre la fiche avec moi. Donc je mets deux fois l'URL. Oui, l'URL, c'est okay. L'URL de l'image et l'image, tu le mets aussi. La même URL de la catbox. D'accord, c'est parce que c'est pour la miniature.
C'est ça, pour qu'on voit la miniature. Et l'URL, c'est pour qu'au cas où, si les gens oui, veulent voir, les gens veulent cliquer dessus. Comme là, beaucoup de textes, des fois, ils zooment bien, ils veulent zoomer dessus. Oui, mais c'est normal. Contenu, bah, c'est voilà, si tu veux mettre bah, le soutenir, etc. Attends, où ? Le contenu undead. Oui, ça, c'est rempli, ça. Et après, j'ai édité le dernier message. Non, ça, tu mets rien et tu peux l'envoyer. Okay. Donc là, je fais publier. Tu publies. Ok. Let's go, on va voir ça. Oh, je suis stressée. T'inquiète, je dis pareil pour le bref. C'est posté. Image 16, go, félicitations. C'est mon tout premier article. C'est bon, ça y est, bravo. Ah, je suis contente. Oh, loulou, c'est bon. D'accord, donc j'ai compris. Acheter. Ah oui, il faut que j'achète, attends. Achète. Attends, j'achète. Donne la moula. Attends, parce que on est payé par le nombre de trucs ou pas? Oui. Mais en fait, tout le monde? C'est partagé ou c'est... Non, c'est pas partagé. Après, moi, vous avez votre salaire fixe de base. Mais d'accord. En fait, ça c'est ce qui nous permet de faire payer, d'avoir de l'argent, quoi. D'accord. Et tout le monde peut acheter? C'est comme pour les CD? Oui, tout le monde peut acheter. Tout le monde. Bah, faut acheter, alors bougez-vous, là, les citoyens. Non, mais oh. Ben oui, attends, il faut faire ça à l'international, hein. Hop, et comme ça, directement, bah, normalement, est-ce que t'as accès à nos entreprises? Où ça? T'as ta prise de service. Ah, oui, alors normalement, attends. T'as annonce d'entreprise. Prise de service... Attends. Moi, je vais poster la mienne juste après. Oui, parce oui, oui, c'est bon, je vois. Voilà. Du coup... Et là, n'hésite pas, tu vois, exemple, à mettre nouvel article. Donc, tu mets le logo fond noir, tu le valides. Attends. Je sais pas de quoi. Attends. Là, je suis dans icône. Icône, tu vois, tu prends le 246. Tu le valides. D'accord. Tu l'utilises. D'accord. Fond noir. Voilà. Ok, d'accord. Utilisé. Et après, généralement, tu vas en dessous pour mettre son message. Tu vas le 2437. Tu fais utiliser pareil et tu envoies. Et là, en fait, c'est dès qu'on a un nouvel article posté, on met ça pour que les citoyens de la ville aussi puissent aller voir. Attends. Tout le monde fait pas attention à ça. Et voilà. D'accord. N'hésite pas d'ailleurs à faire des annonces aussi. Bon, moi, quand j'en fais pas, n'hésitez pas à dire. Comme par exemple, tu peux mettre l'information pour tout ce qu'on produit, etc. Et voilà. Ah, d'ailleurs, je sais pas si t'ont appelé, mais j'ai rencontré le papa d'une jeune fille qui est très douée pour faire du montage. Oui, j'ai vu. Il faut que je prenne rendez-vous avec lui. Oui, je pense que ça peut t'intéresser beaucoup. Oui, c'est pour ça. J'ai une caméraman, donc c'est parfait. On va être plus des filles, c'est horrible. Qu'un homme, écoute, c'est vraiment jeu. Girl power. Attends, non, s'il y a un monsieur qui voulait bosser, qui m'a appelé hier soir, je lui ai donné ton numéro et t'as pas appelé encore? Non, pas appelé. Non, j'ai pas bon, aussi. Bah écoute, il y a un mec qui veut travailler au With The News. Ce sera peut-être le seul. C'est pas grave. Écoute, c'est toujours ça de prix, hein. Bah, bravo à toi. Alors, j'ai mis normalement dans le matériel là-bas, dans le coffre, le gilet pare-balles au cas où. Okay. Ah oui, et la pareille photo aussi. Non, j'ai pas eu le temps d'aller acheter. Moi, je fais des... Voilà, je fais des photos avec mon téléphone. Comme je dis, CSP, c'est tout dépendant. Il faut mon accord quand même, puisque vous êtes encore en test pour ça. Oui. C'est un petit peu fin. Attends, excuse-moi, 2 secondes, je lui dis de me rappeler. Voilà. Vas-y. Attends, je te rappelle, je peux te rappeler dans 5 minutes? Oui, bien sûr. À tout de suite. Oui, pardon. Alors, du coup. Donc voilà, dans ma table, t'as un gilet pare-balles au cas où, donc prends-le pour toi. Et voilà, au cas où, vas-y, si t'as des trucs qui arrivent, tu peux toujours en mettre un sur toi. T'as le droit de l'utiliser. D'accord. T'as la badge ou pas? Non, pas non, le badge journaliste. Non, j'ai pas encore le badge, il faut que je l'achète en boutique. Oui, sinon je vais l'acheter, c'est pas génial. Non, t'inquiète, t'as une référence à me donner ou pas? C'est dans les accessoires et c'est à la fin du catalogue. D'accord, je regarderai. Ah, ça veut dire que je vais devoir enlever mes boucles d'oreilles. Oui. J'ai des petites boucles d'oreilles de fraises. Oui, mais après tu les gardes. Mais tu. Oui, non, mais t'en prends garde, je les mettrai quand je viendrai faire les articles. Ah, d'ailleurs, ce soir, j'ai plein de trucs. J'ai l'interview du maire et l'interview du capitaine du SASP. Let's go. Et après, demain, j'ai un... J'ai une randonnée organisée par le foyer que je vais couvrir. On peut couvrir et toi, fais la randonnée.
T'es pas obligé de couvrir tout. Calme. Tu fais déjà beaucoup de choses à la fois, là, la santé. Oui, mais ça me plaît. Moi, je suis contente. Ça me donne du contenu mais... aussi pour le journal. Oui, mais tiens, Nat, t'inquiète pas. Mais j'ai pas envie de te surmener d'articles. Non, non, mais t'inquiète. Après, je choisis ce qui en vaut la peine ou pas. Là, le procureur, j'ai pas encore eu le temps de regarder l'enregistrement, tu sais, parce qu'il m'a fait des réponses très fournies. On va pas se mentir. Hein. Oui, oui, bah, c'est, oui, c'est, oui. Bah oui, c'est ton. Ah oui, c'est vrai, c'est ton ex. Je voulais. Il a bien parlé, c'est pas grave. Excuse-moi, Selena, je suis désolée. On passe à autre chose, Respire. Voilà, c'était okay. Des bons. Donc, du coup, on parle plus de ça. Ce soir, j'ai le maire. Ouais, déjà, le maire, je vais lui poser quelques questions. Et après, comme tu voulais faire, on fera la fameuse interview filmée et tout, non ? Ça oui, après, je crois qu'il préfère écrit. Ethan préfère écrit totalement. Après, avec le capitaine, on peut faire ça visuel. Je pense que capitaine, ça tu veux que je fasse un rec ? Ah, je peux le rec, moi, s'il faut. Je viendrai, hein, s'il faut. Ben, si tu veux, j'ai sûrement rendez-vous ce soir. Mais je sais pas. 23h, de toute façon, on a réunion 23h. Ah, alors, 23h, moi, il faut que je sois dispo à 23h30. T'inquiète, ça va pas durer longtemps parce que moi aussi, à 30, j'ai rendez-vous. Donc, t'inquiète. Ok, bon, ben. Bah, c'est le temps que vous vous présentez entre vous, que vous soyez, etc. Oui, parce que la petite blonde, elle s'appelle comment déjà ? Yuna. Celle qui est gaulée comme une bombe. Elle s'appelle Yuna. Yuna. Je l'ai croisée, je suis allée faire. Je suis allée prendre des photos pour la remise des diplômes, là. Enfin, pas des diplômes, mais tu sais, le SAS Pénard. Oui, parce que je vais y aller, mais j'ai pas eu le temps d'y aller. Ben, j'ai fait des photos et elle aussi, je vais les transférer dans le truc. J'ai pas eu le temps encore. Et je transférerai tout comme ça, qui veut faire un article. Je lui dis que je lui laissais, moi j'ai trop de trucs à faire avant. J'ai l'impression qu'en fait, j'ai même pas le temps de faire les trucs alors que je dois aussi faire des articles. Bon, après, j'en ai déjà fait moi 3. Oui. Là, je passe mon 4e ce soir. Juste ah oui, d'ailleurs, j'ai pas osé mettre de numéro parce que j'ai vu sur là, t'avais mis un numéro 1. Mais j'ai pas osé mettre. À chaque, tu vois, exemple, là, t'aurais pu mettre 3 pour toi parce qu'en soi, si tu veux, c'est le 3ème. D'accord, j'ai pas osé. Là, mais ça, sur je pense que c'est comme tu disais, faudrait qu'on se mette au courant pour la DA et tout. Moi, j'ai compris que c'était ta DA, donc j'ai essayé de suivre à peu près la même, quoi. Ah merde, attends, je sais pas si tu m'entends. Merde, je parlais dans le vide, je crois. Complètement. Disais... Voilà, totalement, ça c'est qui. Je me suis dit, attends, elle est en train de lire un de ses mails, je vais pas l'embêter. Oui. Je réponds à un message. Donc oui, pour moi, la 2DA, la DA professionnelle pour les articles que, bah, exemple, toi t'as fait, que moi j'ai fait, en mode professionnel, style un peu journal, c'est pour ça qu'il faut l'améliorer. Là, tu vois, j'ai suivi, j'ai continué pour mon autre article, mais aussi de faire un truc un peu plus propre. Là, j'ai fait assez vite. Et après, pour un peu plus, pour un peu plus fun, pour les articles un peu plus cool, l'événement, etc. Peut-être faire un autre truc pour les clauses, etc. Voilà. Oui. Ah, d'ailleurs, Oti, faudrait que je te demande, est-ce que tu as un récapitulatif du prix des prestations pour poster les prospectus? Alors, tu as dans... Tu l'as dans tarifs et annuaires. Les tarifs, c'est tout ce qui est articles. Donc, articles, c'est les articles qu'on peut faire que si les gens veulent faire un article. Pas cherché beaucoup. Hein. Ouais, t'as pas cherché vraiment. Enfin, non, vraiment, t'as pas cherché loin. Clairement là, pas. Pardon. C'est grave. Mais voilà, normalement, t'as articles, c'est 3500. T'as quelqu'un d'ailleurs qui voulait un article. Publication, publicité, ça, c'est 3000. C'est ça, c'est les flyers. Ouais, c'est ça, flyer, interview vidéo, c'est 5000, création d'affiches et bah, pour événements ou quoi que ce soit. Ça, c'est le temps que tu fais de travail, etc. Donc, généralement, bon, tu ne penses pas dépasser à 2000 ou 3000, mais voilà, éviter de payer trop cher. Oui, la publicité, ça, c'est encore à voir. Il faut que je revoie ça avec le Sénat et le maire pour ça. Et let's go. Après, on verra pour d'autres tarifs. Comme je dis, il faut qu'il y ait des choses que je dois mettre en place. Là, il faut atteindre aussi des choses, c'est que demain...
Faut voir avec les actionnaires comment ça va se passer avec eux. C'est pour ça que déjà, faut... en fait, j'ai l'impression de pas m'en sortir niveau patronat dès le début. Il y a beaucoup d'actionnaires qui ont acheté l'entreprise. On est deux. 50-50 Non, c'est moi qui ai plus. Ah, tant mieux. T'es tranquille. T'inquiète pas, c'est pas prévu. J'ai prévu de prendre plus, donc. Non, mais tu fais bien parce que demain, il y a un actionnaire, il est à plus que toi, il peut te virer, hein. Non, à l'instant T, je serai égal. Si personne prend, il sera égal à moi. D'accord. Là, personne peut prendre. J'ai 40%, j'ai une personne qui a 20%, il reste 40%. Voilà, tu vois. D'accord. Donc, non, c'est soit, bien. T'as bien je serai égal à une personne. Donc en soi, voilà. C'est combien ça. Une part dans l'entreprise ? Ça coûte combien ? 40 000 pour le Weasel. Ah oui, non, mais à ça va. Près. D'accord. Bon, ben. Ah, bien. C'est très... Ouais, c'est très cher. Je te cache pas que tu crois quoi que je vais en tirer un pour peut-être y aller. Ah, ben, tu m'étonnes. D'accord. Bon, ben, écoute, au moins, je suis au courant de tout. Je te tiens au courant. Je vais continuer mes recherches pour mes articles. Vas-y. Ah, ben, il y a You, voilà. Là, qui est là. Non, c'est pas You, oui, quoi. Elle a... C'est Yuna et elle fait Yuna. Son article, je crois, de mode. D'accord. Je vois. À plus tard, Yuna. À plus tard, Selena. À plus tard. À plus tard, Bobby. Elle est trop bibou. Ah, faut que je rappelle Ross. Fuck. Hello. Oui, faut que je te gronde. Pourquoi? Parce que tu t'as fait des bêtises. Bon, ça, je fais des bêtises. J'ai fait quoi? Ben, j'ai vu le capitaine tout à l'heure. Ouais. Il m'a dit qu'il m'attendait dans son bureau hier soir. J'étais pas au courant. En même temps, tu as vu que je me suis réveillé hier soir ou pas? Oui, il m'a dit. Il me dit pourtant j'ai donné toutes tes informations à Ross. Tu m'as même pas dit que j'avais rendez-vous avec lui. Mais en même temps, il a jamais dit que t'avais qu'il y avait rendez-vous. Il m'a juste dit comme quoi qu'il y avait, enfin que tu devais l'appeler quoi. Moi, il m'a dit, je vous ai attendu dans mon bureau et Ross, il devait vous le dire. Ah bah, pardon. Du coup, tu me dois un thé. Un thé, ok, bah on ira. Je vais chercher un thé. D'accord. Bon, moi j'ai rendez-vous à 23h avec le Weasel News et après je vais interroger le maire. Ok, oui. Ok. Et après, capitaine m'a dit, pardon, c'est en train de m'enlever. Capitaine, il m'a dit qu'il allait m'appeler pour que je puisse faire l'interview. Ok, ben incroyable. Voilà. Grosse soirée, hein. Loulou. Ouais, ben au moins si jamais on commence la discussion à 2h du matin, je pourrais pas dire que c'est ma faute. Non, mais attends, oui, c'est pas... Mais non, mais... Dis pas... Je m'agace. Non, mais attends, parce que du coup, c'est quand qu'on se voit? Bah après, t'es rendez-vous. Promis? Oui, je l'ai promis hier. D'accord. Bon, bah, tout à l'heure, alors. À tout à l'heure. Bédou. Attention à toi. Oui, promis. Et bisous. Ah, bonne journée. Bonjour. Bonsoir, ma petite dame. Vous allez bien? Et vous? Oui, je peux vous aider? Ah bah, non, que j'accompagne ma nièce, qu'elle a sa réunion apparemment à 23h ici avec les gens elle du Weasel. Elle travaille ici? Oui. Oh, elle s'appelle comment? Lovana. Comment? Lovana. Lovana, ah, c'est beau. Okay. Ah bah, qu'elle est là. Et c'est comment, si je peux te demander? Biliana. Biliana? Non, Mi, comme Mimi, Miliana. Ah, Miliana. Oui. Ah, c'est joli, Miliana aussi. Moi, merci bien, merci bien. Bobby. Et vous êtes la chanteuse, ça va, Bobby Tripop, ah, moi? Oui, c'est moi. Salut. Salut. Et que je me souviens, avec moi, si, alors, je sais pas si vous vous souvenez, moi, je suis la dame à la serpillière d'hier. Ah oui, c'est vous qui avez... Tout nettoyer quand David il a chanté. Bah oui, bah j'ai dû tout nettoyer, bah bien sûr. David, j'avais raison, fallait mettre des couches, hein. Ah bah oui, bah alors c'est terrible, hein, c'est terrible. Bah oui, moi je pense qu'il va casser des cœurs. Oui, tant que c'est que des cœurs. Oui, pourquoi il casserait quoi?
Oh, je sais pas, mais bon, vous savez, avec mon expérience, je pense que on peut penser bien plus que des cœurs. Hein. Ah, bah, c'est possible. Après, il y a sa guitare, il faut attention, hein. Ah, bah, il faut pas qu'il casse les cordes, mais bien sûr. Bah, oui, c'est sûr, hein. Et Lovana, tu travailles ici, elle m'a dit. À quoi il travaille ici avec ma soeur Sa soeur Votre soeur Ah, ouais, c'est ma nièce, c'est ma nièce. Ma nièce. Avec ma soeur, c'est Shelly. Elle va arriver là, je pense. Ah, je connais pas Shelly encore. J'ai rencontré Yuna. Yuna, ok. Il y a Selena, la patronne. Et du coup, t'as moi ta et ma soeur. D'accord. Et après, il y a une autre femme aussi qui va venir. Ah ouais ? Oh, trop bien. On est qu'une équipe de meufs. Ah oui. C'est Girl Power. Ah, attends, j'ai pas ma soeur, c'est bon, pour ça c'est bon. D'ailleurs. Oui, moi je préfère, je suis plus à l'aise avec les femmes qu'avec les messieurs. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que les femmes, c'est plus... Comment on appelle ça ? C'est un peu plus fouineur, ça recherche un peu plus les informations. Oui, c'est vrai. On est doués pour avoir des informations. Salut Wilk, ça va ? Du coup, c'est à 23h, moi je vais monter. Ben, bah, je vous dis à plus tard, madame Miliana. Ben, bah, tout pareil, bonne soirée. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Faut qu'on fasse le compte après. Là, faut que je bois. J'ai de quoi ? J'imagine pas que tu vas avec Elena, je suis très peur. C'est qui elle ? C'est Namiel. Oui, dis-moi. Non, j'attends pour la réunion. Ouais. Y a, on va attendre. Oui. Comment elle s'appelle ? Elle est rousse, elle aussi. Ah, Lovana ? Oui. Et elle attend sa sœur. Ouais, bah, je pense qu'elle arrive. De toute façon, vous êtes les 4 employés que j'ai pris, donc oui. D'accord. Ça commence plutôt, bah let's go, comme ça, moi, c'est fait. Ah, oui, c'est super. J'ai vu les c'est premiers. Quoi, on va sur le toit, on va en méditation, sur le toit. De quoi ? Ouais, ouais, je vais vous accrocher sur l'hélico et on va s'envoler. Let's go. À défaut que ça soit mon papa qui me fait monter au système, ça sera toi. Ouais. Non mais vas-y, on va pas aller dans la salle de réunion. D'ailleurs Bobby, si tu veux savoir c'est quoi des brûlures de tapis, demande à Selena. Ah oui, c'est quoi des brûlures de tapis ? Mais moi j'ai. Qu'est-ce que t'as dit toi ? Hein ? Comment ça des brûlures de tapis ? Mais il y a une dame. Qui t'a dit ça ? Elle a dit ça hier soir à la fête. À laquelle fête ? Celle des soins ? Oui. Oui. Qui l'a dit ? C'est Face ? Je sais pas, mais elle a dit qu'elle baisait. C'est quoi le mot baiser ? Bah c'est un gros mot. Non, c'est faire l'amour. Non, comme en soi, non, c'est pas un gros mot. C'est un peu vulgaire de dire de faire l'amour. C'est un peu plus vulgaire. C'est un gros mot ? C'est pas un gros mot, mais c'est un peu plus vulgaire, on va dire. Ah. Ben, elle a dit qu'elle faisait des choses et que ça lui brûlait les genoux. Oui, ben, moi, si ça doit me brûler les genoux, j'ai pas envie de le faire, hein. Mais non, mais c'est pas sur un tapis. Non. Mais pourquoi je le ferais sur un tapis ? Mais non, pas sur un tapis, sur un lit. Quand on aime une personne, voilà, c'est ça. Bah, je sais pas, moi je me suis fait prendre sur le bar hier. Hein ? Comment ça, sur un bar ? Mais il y a de l'alcool sur le bar ! Le bar quoi, des Sons ou au bar chez toi ? Non, chez moi. Ah, je préfère, s'il te plaît, merci. Fais pas peur comme ça, s'il te plaît. Mais c'est comment sur un bar du coup ? Bah, en fait, moi j'étais assise. Voilà. Hein ? T'étais assise sur la chaise ? Non. J'étais assise où ? Sur le bar en fait. Là, t'as le bar. Oui ? Tu vois ? Oui. Et j'étais assise dessus, les jambes écartées. Hein ? Mais c'est pas joli d'écarter les jambes. Ma mamie m'a toujours dit qu'une demoiselle, quand elle s'assoit là, il faut qu'elle croise pour pas qu'on voit sa culotte. Ah bah pour le coup, là, j'en avais pas. Mais quand il... T'as vu ? De quoi ? Il y a quelqu'un, il a vu que t'avais pas de culotte ? Salut.
bonjour. Oui, copain, du coup. Oh là là. Bon, alors, bon. Non, là, on va... Et, oh, ah, ou, pas de talons, et Yona, tu te gardes, hein. Tu gardes ça dans ta culotte et hop, tout de suite. Bon, c'est bon, là. Lovan arrive. Bah, je lui ai dit qu'on était là, après, je sais pas. Let's go. Toi aussi, t'as les brûlures de tapis. Ah. T'as des brûlures de tapis au genou. Comment ça? Bah, elles m'ont dit, les gens, ils ont des brûlures de tapis sur les genoux quand ils font des cochonneries. Maman, bah non, je suis pas au courant, ça, comment on a des brûlures au genou. Bah, hein, merci, moi non plus, je suis pas au courant. J'ai attends, mais quand ça brûle, j'ai pas envie, hein. Maman, mais y'a, bah moi non plus, hein. Moi, on m'a pas dit que ça brûlait le genou, hein. Moi non plus. Ah, faut que je demande à la Beverly, elle s'est mariée samedi, puis samedi elle doit bouillave, donc il faut que je lui demande ce que ça fait. On va lui demander si ça lui brûle les genoux, la Lolo à Beverly. Allez, avec moi, on va sur toi. On va faire quoi, c'est la Lolo. Non, ça lui brûle pas les genoux, ça lui brûle la chatte. Bah oui, mais là, elle nous dit, elle parle de niveau de. Entre les jambes, les filles. J'ai pas fait un cours d'éducation sexuelle, je suis patronne, je suis pas. Agnita. C'est pas moi. C'est bizarre quand même, moi j'ai pas envie d'avoir des brûlures de tapis sur les genoux. On va faire des hélico. Non, on va pas faire des hélico, j'ai toujours pas le permis. On va juste se mettre là pour la réunion pour éviter de... Ok. Yona, viens là. On se met en cercle, on se tient la main. Non, juste en cercle, c'est bien. Ouais, et on peut se mettre en cercle et se tenir la main. Je trouve que c'est une bonne idée. On se met les bras sur les dépôts. Jamais. Bah, j'allais plutôt dire en méditation. Ah, hop. D'accord. Okay. Ouais, mais tu regardes pas ma culotte, hein. Bah non, bah tout le monde non plus, voilà. Hop, regarde. Voilà, on se tient toutes les mains. Oui. En même temps, Yona. Voilà. C'est bon, j'ai compris. Donc, bienvenue à la première réunion du Weasel. Totalement woman. Ouais, vive le Weasel. Youhou. Youhou. Qu'est-ce qui vous arrive toutes les deux, là? Wouhou. Motivation, hein. Bah oui, bah oui, mais c'est de la motivation, ça. Alors, je vais essayer de vous présenter, parce que bah, vous n'êtes tous pas tous rencontrés en soi. Je ne sais pas si vous êtes rencontrés, mais déjà, Yuna et Bobby. Et Shelby et Lovana, vous êtes, je ne sais pas si vous avez rencontré... Shelly, Bobby. Donc, je vous laisse vous présenter entre vous, chacune, de ma droite à ma gauche. Voilà. Du coup, c'est moi la première ? Oui, c'est toi. Ah, bon, coucou les filles ! Moi, je m'appelle Bobby Tripotin. J'ai 22, bientôt 23. Je suis fanat des bouquins d'enquête criminelle. Et surtout quand il y a beaucoup de morts dedans pour qu'on sache qui les a tués. Et moi, mon rêve dans la vie, c'est de devenir enquêtrice. Et du coup, je me suis dit, pour commencer, ça serait bien d'être enquêtrice journaliste au Weasel News. Ah, tu vas aller chez Schmitt? Je sais pas encore. En tout cas, je vais faire des enquêtes. Ah ouais, d'accord. Oui. Et sinon, j'ai pas de copains. Je connais pas les choses de la vie. Et je vis avec mon papy et ma mamie en Irlande. Voilà. Let's go. Bonjour à toi. Félicitations. Merci. Et, bon, bienvenue. Merci. Bonjour. Bonjour, Bobby. Bonjour Bobby. Oui, bonjour Bobby. Bonjour Lovana. Bonjour Silly. Bonjour Bobby. Bonjour Silly. Bonjour Bobby. Bonjour Lovana. Bonjour Bobby. Bonjour Bobby. Ah oui, c'est à moi. Alors bah du coup moi c'est Silly. Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je suis contente d'être embauchée au journal. J'ai une grande famille, je suis Marazelle, mais voilà, je suis sœur jumelle de cœur avec la Lolo. Et puis qu'est-ce que je peux dire? Moi non plus, j'avais bouillave, j'attends le mariage, même si tous mes mariages sont des échecs. Et puis à part ça, voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci Shelly. Merci Shelly, même si j'ai rien merci compris. Merci Shelly. Oh, t'as rien compris? Ben je comprends pas ce que ça veut dire bouillave.
Je comprends pas ce que ça veut dire, Marazel. C'est pas notre famille. C'est son nom de famille. Oui, et Bouillade, c'est baiser. C'est comme on a dit, c'est le gros baiser, mais faire l'amour. Voilà. Oui, c'est copulé. C'est se faire engrosser pour avoir des enfants. Bah moi non plus, j'ai jamais bouillable. Ouais, comme ça, et j'attends aussi le grand amour. Attendez le grand amour, vraiment. Oui. Ah ouais. Moi je vais offrir ma petite fleur au meilleur bourdon de toute la terre. Bon, bah oui. Bah, bonne chance pour ici. Merci. Ah oui, 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 ici c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué, désolé, mais je sors d'un mariage. Compliqué. Oui, j'ai divorcé, tu le sais, Bobby. Oui, mais après, il y a plein de ruchers, hein. Des bourdons, il y en a partout. Hein. Oui, bah t'inquiète pas. Faut juste pas savoir que qui c'est qui est le plus bon. Ah, j'ai le beau bourdon, ouais, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais qu'avec le Weasel, on pourra organiser une émission qui veut épouser une journaliste du Weasel. Oui, moi j'ai trop tard, c'est déjà fait pour moi, mais pour Luna pareil aussi. Mais bah, pour vous, tu peux te remarier, non? Bah oui, non, bah oui, faut se remarier. Je sors avec quelqu'un. Ah oui, avec qui? Avec qui? Avec qui, patronne? Avec un biker. Oh. Ah, oh. Ouh, le petit cuir. Oh, le petit cuir. Hein. Non, il est à moi. Attends. Elle va se faire soulever le jupon. Oui, mais à la maison. Donc voilà. Ouais, dans le fond vert. Comme tous les jours, quoi. Chut. Toi, commence pas. Je vais te gommer. Lovana, à toi de te présenter. Alors du coup, moi, salut, c'est Lovana Marazel, je suis née dans une caravane, puis qu'après j'ai revu mon papa et ma maman, et je sais toujours pas où ils sont. Ah mais du coup, ma maman, c'est la même que celle de Shelly, et Shelly, c'est ma sœur jumelle, et qu'il y a encore quelques années que je savais pas le dire et écrire parce que j'ai jamais été à l'école, et qu'on sait pas trop quel âge j'ai, parce que bah, ma maman, elle a accouché dans le camping et qu'on a pas trop les papiers. Waouh. Ça peut être bien de faire une enquête sur ça. Ta vie, c'est un bouquin. Oh là là. Oui. Ah, d'ailleurs, que quand je t'ai montré ma carte d'identité, si tu vois qu'il y a une date de naissance bizarre, c'est que le système informatique, il a mis le... Oui, il a... Un truc bizarre parce que qu'on sait pas quand je suis née. Wow. Ok, ça peut être bien d'avoir une petite enquête. Par contre, c'est juste que j'ai une vingtaine d'années. Wow. Ouais. Okay. Faut faire comme avec les chevaux, faut regarder les dents. Ouais, que j'ai déjà assisté à une dizaine de mariages de Shelly qui ont été un échec. Waouh. On pourrait faire une mission pour Shelly, un mariage réussi. Oh, ouais, non, je suis pas sûre de l'idée. 4 mariages pour l'une de miel. Faut faire comme avec les chevaux, on va faire des saillies. Quoi? Des saillies. Ah, des saillies. C'est faire l'amour, reproduire les animaux. Ouais, du coup que je viens d'une communauté gitane. Oui. Waouh. Y en a plein en Irlande, des gitans. Ouais, en Irlande. Mais on a tout plein. Et pas ça. On est des bons vivants dans ma famille. Ah bah ça c'est le principal. Alors Ayuna, à toi de te présenter. Bonsoir, du coup. Moi c'est Yuna Park. J'ai 22 ans, c'est ça. Je suis née en Corée, du coup, encore il y a une année... de base, j'avais 23 ans là-bas, mais en fait j'en ai 22 parce qu'ils ont changé. Enfin, oui, t'as un âge de plus là-bas. Normal. Voilà, c'est ça. Ah bon? Ils comptent les années dans le ventre de la maman. Oui. Qu'on soit 9 mois, mais. C'est bien ça, c'était réaliste, hein? C'est incroyable. Maman. C'est pour ça qu'elles ont un an plus, t'as dit. Ils sont vachement avant-gardistes en fait. Oui. J'ai été adoptée, j'ai rencontré ma sœur sur Los Santos, mais elle est repartie en Corée, du coup, bon, repose en paix, enfin, elle est pas morte, hein, mais je l'ai pas connue très longtemps. Elle est remontée. J'ai un copain, j'aime la moto, la cuisine, et les chats, mais je les mange pas, mais j'aime bien les chats aussi. Et tu t'es fait prendre sur le bar hier soir? Oui, je me suis fait prendre sur mon bar à la maison. Oui. Par le chat? Par mon copain. Comme par ailleurs, dans le jardin, dans la cuisine, ton copain, quoi. Dans le salon, dans le... On veut pas tout savoir, elles ont rien fait en face, donc chut. Ouais, que dans le fond, vers le Weasel aussi, non? Alors quelqu'un fait quelque chose dans le Weasel, gare à vous là des caméras, je verrai, je saurai. J'ai un bon... Ça risque pas d'être moi. Mon copain, c'est un biker.
Attendez, vous tapez tous des bails. Il faudra peut-être que j'aille voir là-bas, moi aussi. Hein. Mais après, me dites pas qu'il y en a une qui est avec le Tony, parce que moi, j'ai pas... Non, non, Chucky, il est libre, t'inquiète. Chucky, il est libre. Vas-y, fonce. Oui, mais... Il a peur aux ailes, mais fonce. Oui, voilà, moi, au début, quand j'ai parlé avec lui, il m'a fait des coups trop bizarres avec une loba. Merci pour ton follow, merci d'écrire. J'ai fui un peu. Bah oui, j'ai fui. Mais il aime bien les femmes. Oui, bah oui. Mais du coup, attendez, mais vos deux gars, ils sont à vie? Oui. Ah bah c'est trop bien. Oui. Oui, ils sont frères de cuir. Hein. Du coup, c'est en quelque sorte ma belle-sœur. Ah de oui. Cuir. Trop bien. De cuir. Voilà. Je comprends rien. Oui, il faut pas s'avancer. Faut s'avancer. Ça mange des tomates. C'est compliqué. Donc bah je vais me présenter. Hein. Mais... Bah, je m'appelle Leda Coréboune. Ça fait presque 6-7 mois que je suis en ville. J'ai été patronne du Club 77 pendant 2 mois. Puis je suis partie à travailler à la mairie. Je suis partie. J'ai divorcé de mon, bah, comme Bobby, tu sais, de mon très cher ex-mari procureur général. Même Alzheimer. Oui, monsieur Alzheimer. C'est un connard. Et... Ah bon oui, il a fait des bêtises. Chut. C'est pas... Ouais. Je raconte pas des récoltes. Pardon. On est au weasel. On dit la vérité, rien que la vérité. Bon, merde. Zut. C'est une vérité. Hein. Mais voilà. J'ai travaillé au weasel pendant un petit temps et au Life Invader en même temps. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu récupérer le weasel et parce que je suis un peu graphiste, illustratrice et des heures perdues aussi, un peu journaliste. Mais voilà, beaucoup aussi. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre et honorer cette belle ville où on a besoin de journaux. Bravo! Et de mettre un peu tout. Voilà. Alors. On peut baisser les bras, j'ai mal. Si tu veux. Allez. D'accord. Ah, on fait maintenant ? Je reste comme ça, j'ai toujours jamais mal. Hein. Donc. Croiser les jambes parce qu'on est des filles ! Tu montes ta culotte ! Et oh, alors ? Rien à foutre. Vous savez. Moi, dans la vie, faut dire, on est des femmes, on fait ce qu'on veut. Après, les hommes, c'est comme un mal bas. Je croise pas les gens, je les écarte. Donc voilà. Maman, Lolo. Bon, ça va être rapide et furieux. Weasel Housewife. Donc, oui, de base, je voulais deux spécialités au Weasel. Donc, le côté journaliste, papier, quand vous faites des articles, etc. Et le côté qui va être mis en place au fil du temps, surtout si c'est possible, mais normalement c'est possible. Un côté breaking news en live. Donc, présentateur, journaliste et caméraman qui sera là en direct. Donc, comme je dis, ça c'est très technique et ça va prendre du temps. Je vois ça avec la mairie, etc. Donc, le côté journal, comme j'ai dit, c'est pas contre vous, oui, de faire 3 articles par semaine. Même moi j'en fais, vous inquiétez pas. Salut Karl. Comme je dis, il faut que ce soit diversifié. Donc c'est sûr dans quelle catégorie vous voulez faire. Je veux pas vous imposer de faire des choses que vous n'êtes pas quand même. Par exemple, là, Yuna, je l'ai prise, elle va faire dans le magazine tout ce qui est people, photo, mode et Zodiac. D'accord. Donc là, par exemple, là, tu vois, Bobby, elle est intéressée par les enquêtes, etc. Donc, je pourrais éventuellement, par exemple, là, lui donner une petite enquête sur la radio, que la radio se fait un peu brouiller. Radio, voiture, radio, toutes les radios. Ah bon ? On a des... Ah oui, non, mais t'es arrivé juste après, mais la radio s'est fait pirater et on a eu des messages un peu hispaniques. Ah bon ? Romano. Voilà. Et donc, je pourrais t'amener sur cette enquête-là, de essayer de savoir pourquoi. Oh oui, et du coup, oui, oui. Shelly et Lovana, vous faites comme vous voulez, l'article, etc. Vous placez où vous voulez. Si vous voulez travailler dans le média, vous me dites. À nous, ce qu'on aime, c'est l'action. Ouais, je dois se déployer sur une grosse prise d'otage. Ouais. Alors, ainsi de suite. Oui. Oui, moi, que nous, le seul truc qu'on gère pas, c'est le montage vidéo. Passer sur le média, ça nous dérange pas. C'est juste vraiment tout ce qui est montage. Mais il y a quelqu'un qui arrive pour ça. C'est voilà. Ça, oui. J'ai c'est que nous, on est trop nuls, voilà. Mais sinon, on peut tout faire vrai, n'importe. Comme dit, je vous laisse la barre de test. Vous faites vos articles, etc. Quand vous aurez votre semaine de test, vous aurez accès à la liaison avec le SSP. Donc, à SSP, j'ai une liaison avec eux spécialement pour les convois, etc., ce qui se passe en ville. Là, je vous êtes en test, je vous laisse d'abord de finir le test. Donc, faites des articles, etc. Montrez que vous êtes présent. Et voilà. Mais
Oui. Est-ce que je coupe juste la DA, du coup on peut. Alors oui. Ouais, parce que je me vois pas en fait poster un article si les terrains ils sont d'une autre manière et qu'on attendait ça va. Ouais, ça va faire trop brouillon en fait si on poste tous une présentation différente, je trouve. Voilà, Bobby, elle a essayé de coller sur celle que j'ai fait moi. Ok. Donc un peu un style vieux journal. Après, ça tout dépend. Si vous voulez autre chose, vous me dites. Moi, comme je dis, je suis ouverte à tout. Vous me dites toutes les propositions. On travaille sur la DA, les couleurs qu'il faut, etc. Si on garde tout en rouge, si on reste l'effet journal, si on garde sur, si on part sur du rouge, sur un peu plus média. C'est comme vous voulez. Bah après, ça dépend. Si on fait de l'information pure et dure, je pense qu'il faut faire comme du journal qu'on connaît tous. Et après, si c'est du people, comme elle veut faire Yuna, faudrait faire plutôt style magazine. C'est ça. Après, si vous voulez faire des pop et tout. Voilà. Et après, si vous voulez, exemple, bah là, tu vois, bah Bobby et moi, on a fait des articles assez longs et gros parce que bah c'est des articles qui ont été moi qui ont été demandés assez gros et conséquents. Mais sinon, on peut garder une autre DA un peu plus frais, qui est d'ailleurs sur le normalement de base déjà dans les liens utilisés, qui était de base par les anciens patrons du Weasel qui gardaient cette DA où vous avez juste une image et vous mettez un titre choquant, marquant et voilà, pour éviter de faire des gros articles. Ouais. Voilà, du, okay. On va dire. Après, on peut changer, hein. Ça, c'est faudrait comme dit, c'est pas. Petit TikTok. Oui, on pourrait aussi. Mais là, comme je dis, j'essaie déjà d'utiliser oui, Twitter. Pardon, désolée. Bon, on peut, petit à petit. C'est du faut qu'on arrive à utiliser tous les médias qu'on peut. Oui. Donc là, le Twitter, vous l'avez accès au Twitter de la ville. Donc normalement, tout le même. Donc moi, à la santé, si vous voulez mettre quoi que ce soit, affiche, article, que les gens aillent publier, qu'ils aillent regarder, allez-y. Vous pouvez utiliser. D'accord. Pour Yuna, de base, comme je dis, elle va gérer tout ce qui est média. On va essayer, je vais essayer de moi d'avoir, il faut que j'ai rendez-vous avec le maire pour avoir le côté influenceur de la ville. Avoir un nouveau job, que ce soit nous qui gérons ça, qu'on donne les validations de certification de compte, etc. Par exemple, pour la mairie, pour le CSP, pour les personnes qui ont un quota d'abonnés, qu'on mettra ça en place. Et ça, il faut que je vois la mairie pour ça. Ça, D'accord. peut être cool aussi de gérer. Ça, ah, bah, Yuna va gérer, moi aussi je vais gérer, enfin, moi pour les certifications. Voilà. Tout ce qui est événement, vous avez quoi comme idée ou, ça, ou juste comme ça ouais, bah, on peut faire, on peut faire plein qui de veut, types qui veut épouser Bobby. Non mais oui, on peut faire des choses comme ça. On peut faire des concours de Miss pour les femmes, de Miss Sœur pour les hommes. On peut faire des concours. Concours de chant, on peut faire des concours de fashion comme ça, Yuna, ça lui donne du contenu. On peut faire des battles. On peut faire aussi, on peut faire un article sur le meilleur graffiti de la ville. Oui. Ok, ça c'est bien. Niveau émission, donc événement, etc. Donc je vais mettre une boîte à idées de façon de tout. Que ce soit, je pense, que je vais mettre une boîte à idées avec tout ce qui est fil, donc événements vidéo, événements, bah, exemple, concours photo, etc., passé, concours faire graffiti, concours de mode, etc., qu'on essaie de faire. Je ne vais pas vous le cacher, moi, je ne vais pas vous mentir sur le fait, c'est que bah, on a dur, comme, on, comme vous le savez, bah, comme c'est Olena et... pardon, Olena. ça remonte il y a longtemps. Oh, Seigneur. Levana et Shelby. La liste des actions, il y a des actionnaires qui vont arriver dans chaque entreprise. Donc demain il y a une réunion des actionnaires. Donc à partir de là, moi je vais avoir rendez-vous avec les actionnaires de l'entreprise et on va commencer. Bah, eux ils vont avoir un visuel sur votre travail. Et moi si bah, vous faites votre travail, etc. Si moi je fais le travail, si vous faites le travail, etc. Tout dépendra des actionnaires, etc. Des votes, mais voilà. C'est quoi à dire, mais n'hésitez pas à promouvoir, on va dire, les affiches, les articles à faire, à payer, etc. Affiches et tout, qu'on fasse se faire. Donc, dès que vous postez un article, l'argent que... Bah, d'ailleurs, vous êtes allé acheter l'article ou pas bah, l'argent là, sur qu'on récupère, le... bah, c'est votre salaire. Allez-y, hein. Okay. Vous y avez accès, c'est sur le flashback. Donc, hein. Pour ça, n'hésitez pas à publier. Pour l'exclamation serveur, vous donc, avez là, sur serveur, vous avez un article. Vous validez le règlement. Bon, comme je dis, bah, y a, et vous achetez le... m'a montré une petite démo, je lui ai validé. Oui. Et, non, voilà, mais vous, je fini, sais, mais tout le monde là. Il y a plus là, que la DA, vous. C'est... En fait, ça ne me dérange pas d'être diversifié. Voilà, j'aimerais c'est bien voir le chiffre monter un peu plus quand même là. Je suis sûr qu'on peut. Qui gère bien la DA, qui graphise un peu à la fois, qui veulent bien faire la DA pour tout le monde. Ou après, voilà.
faire du texte. Bah après ça dépend, parce que moi par exemple je travaille pas sur Canva. Moi non plus. Moi je travaille sur Photoshop. Ah pareil, moi, je travaille sur Canva. Ben, on pourrait, oui, par exemple, ceux qui savent faire sur Canva, ils font un libre accès sur Canva avec de la mise en page. Et nous qui travaillons sur Photoshop, on se transmet le point, point Photoshop, quoi. C'est ça. Le point PSD. Voilà. Oui, moi je travaille sur un peu sur Procreate parce que j'avoue, j'ai plus facilité sur Procreate, mais je peux toujours envoyer sur Photoshop. Et je travaille sur Photoshop. Moi, je suis tout je m'emmerde plus. Ou Illustrator s'il le faut, mais voilà. Ah non, mais moi j'ai abandonné ça. Ça me rappelle tout trop mon adolescence. Je suis graphiste, donc le fin, voilà, je connais. Donc si vous avez quoi que ce soit des remontées, il ne faut pas hésiter. Merci, que ce soit des gens qui ont été négatifs auprès de vous, qui n'ont pas respecté, que ce soit le SSP, etc. Il ne faut pas hésiter à les faire remonter. Ah, déjà, on en a rajouté trois. Alors. Sur ça, j'essaie d'avoir un point d'ordre sur les services publics, d'avoir une bonne fonction d'ailleurs avec eux. Donc n'hésitez pas. Vous avez accès à votre gilet en bas. Je ne dis pas de conneries dans le matériel. Bon, je sais pas. Oui, allô, bonsoir. Attends, oui, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Je suis Wizel, pourquoi, dis-moi. À 30, c'est ça? T'as vu? Je peux tirer dessus pour voir s'il est efficace. Vas-y, t'inquiète. Oui, t'inquiète. J'ai juste là, je finis ma réunion Rusal et j'arrive. S'il te plaît. T'es trop belle. Ah, ok. Je serai là. Merci. Vas-y. De toute façon, je vous lâche dans 9 minutes. Donc voilà. Même pas, dans 8 minutes. donc si vous avez des remontées, n'hésitez pas. Je vais améliorer l'internet pour que ce soit évident. Pourquoi ça s'est parti? Donc voilà. Donc travaillez un maximum, donc n'hésitez pas à mettre le gilet quand vous êtes dans les interventions, quoi qu'il arrive. Bon, les prises d'otages, la prise d'otage d'hier, j'y étais dedans. Donc je vous cache pas que je pouvais pas vous répondre, j'étais en mode bah ouais, et j'avais pas droit de filmer en plus. Ah ouais, que ça n'empêche pas de prendre des informations. Oui, mais j'ai fait un entretien d'ailleurs pour quelqu'un. Je me suis refait prendre juste en otage juste après, c'est pour ça que j'ai pas répondu à personne, génial. Mais j'avoue que j'étais dans le coin. Oui. Et ouais, voilà, bien, si vous êtes pris en otage, n'hésitez pas à me dire. Mais voilà, quoi qu'il arrive, dites-moi si ça va ou si 41, ça va pas. 41, allez, super. Que ce soit même avec Mary, etc. Ouais. Si vous avez des idées d'articles, n'hésitez pas à me proposer. Je vous valide. Je suis pas moi, patronne, j'aimerais que peut-être qu'une fois par semaine, sortir un article, genre une chronique sur la culture gitane. Mais allez-y, c'est possible. Je peux essayer de faire ça. Écoutez, j'accepte le SSP faire que chacun fasse sa chronique, ils viennent vers nous pour ça, le Nord pareil. Là, j'ai avoir quelqu'un des Sons aussi qui va me faire une chronique. Allez-y, je dis le temps qu'on fait un maximum de publications. Comme je dis, ça va être con, mais on va spammer les gens de la ville. On va les faire chier avec nos articles et il faut les faire chier avec ça. Montrer que vous êtes là. Montrer qu'on est présent, que le Weasel est là pour ça. Donc on est là pour chaque événement. Moi, à chaque fois que je monte sur une scène, je dis Weasel News représente. Let's go, faites ça pareil. Tout le monde fait ça. Moi, je sais que j'ai essayé d'être là, mais comme dit, en tant que patronne, c'est compliqué. Je m'occupe de tout en ce moment. Il y a plus de paperasse que de autre chose. Si vous avez des événements, le premier arrive. Bon, hier, Bobby, je lui ai dit qu'elle pouvait y aller au catch, que le... Luna pour les Sons, chacun fait, voilà, si vous voulez, ou pareil, Shelly et Levana, allez-y, n'hésitez pas. Montrez-vous que vous êtes là et vous êtes passionnés. Je ne vais pas courir après vous, je ne vous cache vas-y, pas, je peux, à part, pour, ouais, ça le à part pour les articles. On va le faire. N'hésitez pas à poster. D'accord. Moi, je vais faire sur les légendes irlandaises. Ah, ça peut être bien, tu vois, faire une petite chronique, en mode, une petite histoire sur ça. Oui. Et... Comme ça, on fait partager. Pourquoi les Irlandais sont tous roux? Ben ça c'est surtout dans c'est parce que en Europe on y en a beaucoup. Mais d'accord. Parce qu'on vient des Vikings. Donc n'hésitez pas si. Parce qu'on s'est fait envahir par les Vikings. Non oui c'est vrai. Si je pars en intervention je pourrais vous appeler un de vous qui viendront avec moi etc pour les convois pareil. Voilà. On reste pas tout seul, chacun a besoin. Si vous voulez être ensemble, vous pouvez être ensemble. Comme vous pouvez mélangez-vous. Ouais, si vous avez besoin que ce soit, n'hésitez pas. J'essaie d'être présente le plus possible. Comme je dis, c'est compliqué. Ouais, je dois courir partout entre les actions, entre les contrats de travail. T'es là, quand t'appelles, tu réponds généralement. J'essaie. D'ailleurs, vous aurez vos contrats demain. Vous êtes payé tous les dimanches. Les dimanches, et là, je ne vous cache pas, ce sera en fonction de ce que vous faites. On a perdu tout l'argent qu'on avait du Weasel à cause des actions, à cause des actionnaires. Donc, ça fait qu'on a que 10. Je ne cache pas l'indication. Je ne vais pas gagner d'argent. Là, l'instant T. Publier. Ouais. Achetez, faites venir les gens. Vraiment, achetez. La moula. La moula. J'en ai besoin.
C'est con à dire, mais plus on a fait d'articles, plus les gens vont venir, plus ils vont acheter les journaux, plus bah, nous, on va avoir de l'argent. D'accord. Quand on publie un article, oui. Là, par exemple, l'article que j'ai publié, oui. C'est combien qu'on gagne par rapport à ce qu'on vend? Tu peux me donner une fourchette que je comprenne? Alors, une bonne fourchette, sur exemple, sur le post que Mathias avait fait, donc juste avant moi. Donc, sur 100, je crois qu'à peu près, ça fait 10 000. Ah oui, ça va, c'est pas mal. Donc, faut faire au moins 100 pour avoir 10 000? C'est ça. Donc là, si j'ai 100... s'il y en a 100 qui m'achètent mon article, je gagne 10 000 dollars dimanche? Alors, toi, non. Mais Louise, oui. Ah, moi, je gagne non, toi, combien? Alors, toi, ton salaire est à 8 000. Voilà, votre salaire, vous êtes à augmenter. Donc, vous êtes tous à 8 000 puisque vous êtes journaliste, même en test. Vous êtes quand même à 8 000. D'accord. Mais on gagne pas d'argent sur les articles vendus? Non, pas du tout. C'est... Non, parce que vous avez un salaire fixe au niveau de mairie. Donc, si on... Mais après, avec les actionnaires, maintenant, comme je dis, les actionnaires qui sont là en ville, les actionnaires voient que si vous travaillez très bien au sein de l'entreprise, peuvent vous permettre de donner des primes. D'accord. Donc, en fait, si, exemple, là, les actionnaires du Weasel voient que vous avez super bien travaillé, que ce soit toutes les quatre, eh ben, ils peuvent vous permettre de donner 2 000 dollars en plus. D'accord. Mais là, du coup, dimanche, on touche 8 000. Normalement, oui. Mais normalement, enfin, non. Bah oui. Enfin, si, vous aurez fait votre semaine de salaire, donc oui, vous aurez 8 000. Non, parce que moi, j'essaie de comprendre, parce que je veux m'acheter un scooter. Oui. Moi, si je gagne 5 000, ça me va. Non, vous êtes sûr, vous avez... Non, mais n'achetez pas. Comme je dis, c'est en fonction de la présence et des postes. Donc, en soi, si vous travaillez... Ça fait de l'argent, on a besoin d'argent. Vous êtes présent, vous êtes en service, donc n'oubliez pas de vous mettre en service. Moi, je suis en service. Et let's go. C'est moi, ça me permet de pouvoir qui est en service, qui travaille. Oui. Donc voilà. D'accord. C'est bon. Vous avez des questions? Non, patronne. Non. Tu t'es bon. Non. Vous Pourquoi avez des boissons, n'oubliez pas. Pourquoi c'est un ex-mari? Je sais cette question, je dois aller à la banque. Ah, plus tard. C'est vrai que c'est ta semaine ou la semaine ou sa semaine à vie pour le gosse? C'est sa semaine à lui. Ah, bah t'es en vacances alors? Je profite de mon copain, oui. T'as raison. Allez. Merci, Selena. N'hésitez pas, la prochaine réunion sera ce week-end. Oui. Okay. Pour voir les avancées, si vous avez d'autres idées, quoi que ce soit, faut qu'on commence à travailler sur des émissions. Moi, je vais faire l'autre article pour demain. J'ai une idée d'émission, si vous voulez. Dites-moi. À laquelle je veux bien participer. Ah, vas-y, dis-moi. C'est mariage à l'aveugle, là, au mariage aux premières gardes. Mariage aux premières... Je me casse. Je veux pas qu'on marie avec n'importe qui. Mais c'est toi qui peux dire oui ou non. Ah, c'est moi qui peux dire oui ou non? Bah oui. Ah bah peut-être alors. Bah vous me tiendrez au courant, vous allez voir le maire. À plus tard. À plus tard. Ça va Chiro, tu vas bien? Et quelle heure? 26. Je l'ai appelé. Attends. Après, il faut absolument que je fasse mon Twitter et tout, hein. J'ai pas eu le temps encore. Ah. Tu vas voir qu'il n'y a pas de dispo. Je sens ça pue. La villa de la mairie, c'est où à votre avis? Je vais demander. T'as passé une bonne journée? Ouais. Ah, bah tiens, il me rappelle. Bonjour, monsieur le maire! Mademoiselle Tripotin, comment allez-vous? Ça va! J'ai vu que vous m'aviez appelé. Oui, parce qu'il est 23h27. Bah écoutez, vous pouvez commencer à venir à la mairie, d'accord, au moment. Et on ira ensemble, du coup, à l'endroit de la table. Ok? Ben, je suis là! Ah bah écoutez, laissez-moi 5 minutes que je t'avais demandé. Ok, puis... D'accord! Bah ça me laisse le temps de me garer et... Mais je suis là! Parfait. Merci, nickel. Merci! Merci, à plus tard. À plus tard! Mon sac? Oui, c'est mon sac.
Bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour madame. S'éclate la mémé. Premier membre de la mairie. Je préviens ou pas? La casse-couille. Appelle Tantini. Salut Antoine. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des tableaux. Y'a quoi comme tableau? Je cherche un endroit pour faire des photos, mais y'a rien qui est ouf ouf ouf. Il doit avoir tellement de tapes. Mais Ethan, ça doit être crevant son RP. J'imagine même pas. J'arrive, hein. Oui. C'est pour moi ce rendez-vous carter. Bonjour. Au revoir. Quelle connasse. Oh putain. Salut Kazek, ça va? Et puis... Nanana, 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 nanana. Monsieur le maire? Comment allez-vous? Ça va pas? C'est qui cette dame? Laquelle? J'ai dit bonjour, elle m'a dit au revoir. Carter. Carter. Aïe 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 aïe, j'ai la cagagne. Aïe 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 aïe. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là, viens là. La lèche-botte. Bonjour comme tout le monde, s'il te plaît. C'est une journaliste du Wizard qui vient pas d'ouvrir. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, je vais dire. Alors, Florès, y a plus important. Bonsoir madame. Allez voir les avocats de la Mille. Qu'est-ce que vous avez? Monsieur le maire, elle a recommencé. Je vais lui faire un article en son nom, hein, croyez-moi. Non, ça va aller. Ben si que... C'est inutile, Bobby. Et se passe quoi du coup, Seigneur? On va aller voir en salle de conférence, il y a des avocats qui ont... La pimpèche de la mairie. Ils sont pas pris. Comment ça va, mademoiselle? Ben, je vous aime pas! J'en ai rien à foutre. Waouh! Trop bien! Tu fais comme tout le monde, c'est ça? Non, pas du tout. Il y a très peu de monde qui vous fait avez ça. Vous avez tellement pas de répartie que vous êtes obligé de piocher dans les vannes de vos gamins? Eh ben, disons, ça fait de la peine à voir, hein. C'est pas parce qu'on est habillé comme une pétasse que ça fait de vous une connasse, hein. Vous pouvez me chercher une serviette, s'il vous plaît, Alison. Waouh, mon dieu, mais ah, vous m'avez écorché, hein. Ah, c'est pas comme si vous étiez la première à faire ce genre de réflexion, hein. Ouloulou, je suis choquée, hein. Tenez, j'ai pris un magazine. Vous savez quoi, vous deviez prendre une lingette démaquillante pour enlever toute la peinture que vous avez sur votre face pour cacher votre horreur. Je ne suis pas maquillée dans un premier temps. Ah bon, bah dis donc, bah, du coup vous avez des cernes, c'est extraordinaire, hein. Faudrait peut-être ça arrêter de travailler, travail. Hein. Ça s'appelle le travail, nous sommes obligés le de travailler. Travail, oui, le travail. Et du coup, travaillez votre sympathie d'abord et après on parlera. Quelqu'un qui travaille à la mairie, qui se comporte comme une débile, je suis désolée, ça n'a rien à faire ici. Croyez-moi, on va entendre parler de vous et pas dans le bon sens. Ça m'en fait une belle jambe, hein.
Bah alors, cassez-vous! Restez pas à côté de moi! Je vais rester à côté d'elle. Je vais rester à côté de vous, je suis bien à côté de vous. Ça s'appelle du harcèlement! Bah non, je suis dans mon lieu de travail. Allô. Je suis sortie de la mairie parce que la dame, elle est vulgaire, insolente et elle, je sais même pas pourquoi vous l'avez dans la mairie. C'est une honte. Ok, attendez, je m'en occupe, ok. Attendez, je m'en occupe. La foutueuse de merde. Ah merde, elle a un rendez-vous. Attends. Elle est vulgaire. Elle va s'en prendre plein la gueule. Je vais faire un article sur une dame qui est horrible à la mairie, qui se croit tout permis, elle est vulgaire et méchante avec ses citoyens. Elle se moque des handicaps de ses citoyens. Tout va bien, madame? Non, je vais faire un article. Un article, hein? Oui. Sur quoi? Dites-moi. Sur madame Carter. Et croyez-moi, ça va barder, hein. C'est pas comme ça qu'on traite ses citoyens. Elle est mal barrée la cocotte, c'est pas qui elle a affaire. Hein. M'excuser. Enfin, mais c'est pas à vous de vous excuser, vous êtes pas le larbin des gens, vous n'allez pas vous excuser pour la bêtise humaine. Hein. C'est quoi ça, hein. Ça je vois même pas comment c'est possible qu'il n'ait une employée dans un bâtiment officiel et civil se comporte comme ça avec ses citoyens. Moi ça me met hors de moi. Attends, c'est bien. Ouais, c'est... Hein? Pas son comportement normal non plus, mais bon, il faut faire avec. Elle est l'un des meilleurs éléments de la mairie. Oui, bah c'est un des meilleurs éléments, j'en ai rien à faire. C'est pas parce qu'une personne est douée qu'il faut la garder, hein. Je suis désolée, hein. Des gens doués, il y en a plein la planète, hein. Il suffit juste de les chercher. Et des gens doués et agréables, ça existe. C'est pas ma faute si elle est gris, mais elle a pas été gris avec des citoyens. Et en plus, elle s'est moquée de mon handicap. Vous trouvez ça normal, vous? Vous savez que je peux porter plainte, moi, contre ce genre de choses et que ça coûte très très cher, hein. Ben quoi, il est mignon, votre handicap, je crois qu'il y a un problème. Pardon? Je vous entends pas fort. Je disais, il est mignon, votre handicap. Mais c'est gentil, mais de toute façon, j'ai l'habitude, hein, les gens, ils se moquent de moi. Mais qu'une personne de la mairie se moque de moi, ben non, je suis désolée, ça passe pas, hein. Elle avait quoi, elle vous a imité? Ben, elle a dit qu'elle avait besoin d'une serviette, parce que soi-disant je lui crache dessus alors que c'est pas vrai, qu'elle a commencé à imiter mon bégaiement. Non, désolée, mais ça passe pas. Je lui ai dit, je m'éloigne de vous parce que j'ai pas envie d'être à côté d'une personne qui est méchante. Elle m'a dit, bah si, je vais vous coller. Et ça s'appelle du harcèlement, monsieur. Et je suis pas contente. Je comprends tout à fait. Attends, c'est quoi ces grosses armes? Je suis vraiment pas contente. M'entendre. En plus, c'était pas où je travaille, moi je travaille au Weasel News. Alors croyez-moi, je vais enquêter sur elle. C'est votre job après tout. Oui.
méchante femme. Dans un langage grossier, on appelle ça une connasse. Mamie. Après, hors si de vous moi. Utilisez un langage grossier, c'est vous qui avez perdu sur le coup. Oui, ben, faut pas commencer à me chercher des dépôts. Je suis peut-être. Je suis peut-être jeune, mais je suis pas idiote. Elle répond pas. C'est pas gentil. Allez, faut pas être trop triste. Dans le monde, vous aurez toujours des gens. Vous aurez toujours des gens méchants. Sachez-le. Mais non, il ne faut pas être très triste. Non, mais tu m'énerve. Parce que les gens, ils te moquent tout le temps de moi. Et il faut toujours que ce soit moi qui soit sorti avec tout le monde. Vaut mieux être la personne gentille que la personne méchante. Au final, c'est. La personne méchante, qu'est-ce qu'elle a gagné? Perd le bégaiement, la peur de stress. Non, c'est pire, alors justement, que quand vous, t'as. Vous êtes sympathique. Oui. Putain, on m'appelle, excuse-moi. Pas de problème. Allô? Oui, ça va, Bobby? Non. Quoi? Pourquoi? Non, c'est rien. Non, qu'est-ce qu'il y a, Bobby? Il y a une personne qui travaille à la mairie, c'est une méchante personne. Quoi? Il se passe quoi? Rien, c'est une dame, elle s'appelle Carter et elle s'est moquée de moi et elle m'a mal parlé. J'ai dit bonjour, elle m'a dit au revoir. Non, mais moi j'arrive à la mairie, je lui rentre dedans un carton là. Qu'est-ce mais que moi, qu'est-ce je vais lui rentrer dedans à coups voilà. de stylo bille. Voilà. Je vais écrire voilà. un article sur elle. Voilà, donc sur le front. Oui. Oui, t'as raison. Tu sais quoi? Nous, on est bloqués sur l'île de la Galapagos. Bon, pourquoi? Je sais pas, on nous a amenés, on s'est dit un truc de survie, il y a des jaguars qui nous ont attaqués. Il y a des jaguars qui vous ont attaqués? Oui. Waouh! Heureusement que j'étais là pour sauver ma famille, ouais, t'as bien entendu. Oh là là, t'es un héros! Oui, après voilà, c'est le quotidien, tu sais. Bah, quand même, hein. Attends, il y a un monsieur, il est allé sur les îles Galapagos, et il a sauvé toute sa famille des griffes d'un jaguar. Impressionnant. S'il s'en sort uniquement avec une cicatrice attendez, comme la mienne... Attendez, je te mets en parleur, comme ça, il entend, raconte. Allez. Vas-y. Alors, en fait, on était en train de marcher, quand soudain, le groupe de survivants arrive et nous dit, oui, rejoignez-nous... Vers l'infini et l'au-delà. Oui. Et d'un coup, il y a un jaguar qui surgit et ni une ni deux, je n'ai pas hésité. Mais si tu cites pas de nom. À sauver mon père et de la mort, ouais. J'ai pas peur de lui. Ouais. Oh là là. Ben, franchement, Kurt, chapeau, hein. Merci, madame Bobby. Oh là. Et du coup, vous allez parvenir? Ouais, en fait, là, on est bloqué à l'aéroport parce qu'on attend le monsieur qui nous a ramené, mais il répond pas. Et mon père est en train Steve. De. Steve. Mais il répond pas. Ah. Bah. Et du coup, bah voilà quoi. Courage. On est bloqué. Bah appelez, il y a une agence d'aviation. Non, mais voilà quoi. Moi, j'aurais pensé, tu aurais dit oui, j'arrive à la nage pour vous sauver le V. Et toi, tu préfères être à la mairie quoi. C'est non, pas mais grave. Moi, je suis pas une héroïne, hein. Moi, je suis un personnage secondaire. Oui, mais secondaire, triotaire, notaire, tout ça, enfin bref. Oui. Moi, je suis tout ce qui est terre-terre. Voilà. Toi, t'es plus terre-mer. Ah oui, mais c'est pas en dégustation. Bon, bah oui, bah, je suis un terre-mer, alors. Oui. D'accord, ben, bah, on se voit plus tard, je crois. Oui, promis, tu me rappelles. Au dortoir. Faut que je t'enregistre, oui, c'est toujours pas fait. Attends, tu as dit quoi, Bobby? J'ai cru pas bien. Faut que je t'enregistre parce que je l'ai toujours pas fait. Allez, adieu, Bobby. Adieu. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que maintenant je connais ton numéro. Ah, il a raccroché. Je croyais qu'il est vexé. Bah pourquoi? Bah parce que j'ai pas enregistré son numéro.
Non, mais voilà. Moi, je dis, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, elle, elle va être fichée. Faut pas me chercher des poux. Vous me parlez ? Je disais, j'espère que vous allez réussir votre article. Ah ben, vous inquiétez pas, hein. Ça, ça sortira. Je sais pas quand, parce qu'il faut que je prenne le temps de me renseigner. Mais ça va sortir. Ah, attendez, excusez-moi. Ah, croyez-moi, ça va sortir. Et vous travaillez avec Allison alors? Oui, c'est ça. Waouh. Travaillez avec Allison. Et ça va? Ça se passe bien? Oui, ça va. Ça se passe parfaitement bien. Ça fait longtemps que vous travaillez avec elle? Non, pas du tout. Depuis hier. Ah, vous avez commencé hier? C'est ça. Waouh. Et pourquoi vous avez fait agent de sécurité? Pour être proche de mon ancienne profession. C'était quoi votre ancienne profession? J'étais militaire à Séoul. Ouh. Ah, vous êtes coréen? Je suis coréen-américain. Ah. C'est joli, Paris, Séoul. Moi, je connais pas. Vous avez dit que j'ai pas compris. C'est joli, Paris, Séoul, mais moi, je connais pas. Oh, vous savez, c'est... Ouais. C'est vrai que c'est joli, oui. Et du coup, vous êtes natif américain ou vous êtes natif coréen? Natif américain. Ah. Vous n'êtes pas trop déçu? D'où le fait que j'ai pu exercer en tant que militaire en Amérique. D'accord. Ben dis donc. Vous êtes patriotique? Vous savez, que ce soit des États-Unis ou de la Corée, ce sont mes pays. Et je la respecterai et je les servirai. Ben, je comprends. Et du coup, vous parlez coréen couramment? Ça fait un moment que j'ai pas pratiqué, mais... Oui. Waouh. Moi, je sais pas les mots, je connais pas. Comment on dit bonjour? Vous savez, j'ai pas le droit de parler dans ma langue. Ah bon? Pourquoi? Non. C'est interdit. Pourquoi? Parce que quand on est en service, on est censé représenter du coup la mairie et donc on n'a pas le droit de faire des choses. Oh, ils vous interdisent de parler une langue qui fait partie de votre culture parce que vous travaillez à la mairie? Non, je peux la parler, mais en dehors de mon service. D'accord. Donc, quand vous êtes en service, vous n'avez pas le droit de parler coréen. On est bien d'accord. Non, mais sauf si c'est urgent. C'est-à-dire que si j'ai un appel qui vient de mes parents, je peux parler dans ma langue. D'accord. Mais si quelqu'un vous demande de dire bonjour, du coup, vous n'avez pas le droit. Bah, techniquement, oui. Techniquement, non. D'accord. Techniquement, oui. Techniquement, non. D'accord. C'est quoi votre nom? Gino. Comment ça s'écrit? Ah. Quoi, vous allez faire un article sur moi? Non, je me rends des notes, me renseigne. Une journaliste doit de toujours prendre n'importe quelle information. Ça peut toujours lui être utile. Je vois. Oui. Si vous voulez en apprendre plus sur la Corée, n'hésitez pas à me voir alors. Ben, avec grand plaisir. Déjà, moi, j'ai appris qu'il y avait la boxe Wako. Je vous avoue que je me suis pas renseigné sur la boxe. Ben, la boxe Wako, c'est une boxe de la Corée des années 20. C'est Yume qui m'a appris ça c'est avant-hier. Oui. Je me renseignerai pour vous si vous voulez. Ben, si vous la connaissez pas,
Ume, c'est une championne de la Corée du Sud de boxe Wako. C'est une championne, je crois, internationale. Je la connaissais pas, non. Ben voilà. Ben, y a un article qui est sorti, si vous voulez. Il est dans le... Il a été posté ce soir, c'est moi qui l'ai écrit. Et dedans, j'en parle. Je vais regarder ça. Oui. Elle a perdu. Mais c'est pas grave, hein. Dans sa catégorie, c'est une championne. Mais du temps, Ethan, comme là-bas. Je suis en train de courir partout. J'arrive, mademoiselle Tripotée. Tripotard. Civrier. Ah bah ça va alors, je t'appelle quand même. Pensez à Marie, on a pour longtemps, s'il vous plaît, vous pouvez pas lui demander, parce qu'il m'a dit j'arrive il y a déjà 5 minutes. Oui, va faire un appel à témoin. Oui, allô? Oui, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va. Il est au téléphone. D'accord. Je t'appelle parce que je voudrais faire un appel à témoin. Oui. Sur le comportement d'une personne à la mairie. Ok. Et il me faudrait des témoignages. Et puis en plus, j'ai sorti mon tout premier article aujourd'hui. Oh, bah, félicitations, je vais regarder ça. Oui. Et du coup, c'est sur Madame Carter. Je la connais pas. Pas moi non plus, mais enfin, le peu que j'ai eu d'elle, elle va avoir un article salé, hein. Ah ouais? Ah oui. Elle s'est moquée de mon handicap alors qu'elle travaille à la mairie. Elle vient de me faire du harcèlement physique et elle s'est moquée de moi et elle a été hyper mal polie. Elle a parlé à Ethan? Bah, Ethan, il est au courant, mais il y a un monsieur... Jinwoo, c'est un agent de la sécurité, il dit que c'est un élément indispensable à la mairie. Oui, mais c'est un connard, Jinwoo, on l'a arrêté tout à l'heure, le mec il s'est cru tout permis parce qu'il y a une carte de la mairie, donc c'est un connard aussi. C'était pas au courant, il est en face de moi là. Ah merde. Non mais t'inquiète, t'es pas sur le parleur, hein. Mais du coup, je veux faire un appel à témoins pour avoir des informations sur le comportement de cette personne, parce que je vais faire un article. Et il me semble qu'elle était directrice ou CPE à l'université, donc il faudrait que tu essayes de voir avec des élèves. D'accord. Et tu t'en connais? Alors, il faudrait que je voie Lawson, parce qu'il me semble que Lawson y était. D'accord. Écoute, je vais me renseigner de mon côté. Oui. Voilà, je vais prendre ma fin de service, je dois aller faire... Quoi? Hein? T'as quoi? J'ai dit, je vais prendre ma fin de service, je dois aller faire une séance de psy. Et Une séance de psy? Oui. Pourquoi? Parce que c'était dans mon contrat pour que je puisse réintégrer le SSP. Je t'expliquerai, c'est par rapport à ce que je te dis hier. J'ai pas tout compris. Oui, c'est par rapport à... C'est Big Boobie, carrément. Je connais la voir hier. Coucou, ça va, Brigitte? Ça va, tu me rappelles quand t'as fini? Ouais, vas-y. D'accord, bisous. Bisous, tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va, Brutus? Tu vas bien? Ça va, et toi, Bobby? Ça va. Bah, sinon, ça dit quoi? Bah, je suis en train de faire l'article, justement, sur la WWE. Putain, incroyable. Et ça en était sold out en 17 minutes. Mais ouais, c'est bien, hein. Vous avez bien performé, hein. Je suis contente. Ouais, Cyrilio zigzag carrément dans la place. Salut, hein, quoi, beau gosse? Ça va ou quoi, les mecs? Bonjour. Salut. Oh, ça va, toi? Ça fait grave bonne impression hier. T'as géré de fou. De quoi? Là, ta chanson. Ah, ouais, mais c'était une dinguerie. Ah, c'est gentil. Et j'aime bien la couleur de tes cheveux. Merci. Là, avec plaisir. Ouais, c'était cool. Un peu long, si tu veux mon avis perso, mais cool.
Je pense que t'as perdu des gens un peu dans la soirée. Et après, t'avais de quoi faire dans tous les cas. Ouais, non, franchement, c'était cool. Mais ça va, en fait, ça va trop vite. Ah bah, oui, là, ouais. J'ai fait un booster à personne, 17 minutes sold out. 17 minutes, tu me dis ça va trop vite? Bah, ça va trop vite, je te jure, ça va trop vite. Attends, t'as mis 17 minutes, sachant que t'annonces depuis 22h? Ouais. Mais c'était fou, l'un des vents à 23h pile. Après le temps de discuter avec les gens et tout, t'as vu, je fais pas un speedrun. Ouais, bien sûr. Mais non, ça va trop vite. Ça va trop vite. Il est vénère. Parle de cruche là. C'est pour ça, je pense, les clubs, faut que je trouve une autre. Une formule qui donne pas de prévente, sinon c'est dead. Ah bah. Oui. Mais il y a plein d'autres avantages. Mais en fait, la prévente, ça veut dire que personne d'autre va toucher des boosters. Ça, on te l'a dit ça. Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense, que c'est mort. Soit je ferai pas de club et j'aviserai. Soit. J'ai une idée là en tête, mais no spoil pour l'instant. Ah ouais, ça veut pas dire. Bon, ça je vais vous pas laisser travailler. Bonne soirée, Tinou. C'est quoi votre nom déjà? Bobby. Bon, bah moi j'ai rendez-vous, je vous laisse. T'as rendez-vous? Non, rien. Juste là derrière. Avec l'IRS? Ah, attends. Ouais, IRS mairie. Brutus, ah bah ça tombe bien, faut que je vois. Je fais un appel à témoin pour le Weasel News. Ouais, faut dire, c'est quoi l'appel? En clair, je suis en train de faire un article sur une personne qui travaille à la mairie, qui est de très mauvais goût et très, très désagréable avec ses citoyens, qui se moque des handicaps des gens, qui s'appelle Madame Carter. Qui a des handicaps? Madame Carter. Non, t'as pas d'handicap? Si, je suis bègue, mais je le sais, j'ai l'habitude, m'en fous. C'est pas un handicap, c'est une différence. Un handicap. Ben... C'est une particularité. Voilà, exactement. J'ai toujours dit, moi, c'était un handicap. Bah moi je trouve que c'est ceux qui t'ont dit ça, c'est des menteurs. C'est vrai, carrément, j'ai envie de te tirer les joues là. j'allais abuser, j'allais dire j'ai envie de te tirer les joues, je vais me calmer. Ouais, j'ai trop enrôlé. Tu vois, voilà, zigzag, voilà, c'est ça. Ah mais moi ce soir je suis... Zigzag, c'est vraiment ton prénom? C'est ma particularité aussi. Ah j'aime bien. Ça veut dire quand il marche, je fais des virages comme ça. Les lapins, quand ils courent, ils courent en zigzag. Comme ça les chasseurs, ils arrivent pas à les tirer. Elle exactement, bah la police, elle arrive pas à me tirer non plus. Ben fais attention, peut-être moi un jour t'attraperai hein. Ah bon, tu veux me l'attraper? Et moi je vais devenir enquêtrice. Mais tu veux enquêter sur qui? Je veux pas, sur des gens qui font des bêtises. Mais moi je veux qu'il y a des gens, ils meurent comme ça. Je vais pouvoir trouver le méchant. Et tu crois que c'est Cluedo là, Big Bobby? Ben comme dans les bouquins non? Yo, mais c'est quand même pas un bouquin là, tu souhaites la mort là. Mais non, mais regarde. Ah, il se passe quoi? Au secours! Attends, moi je lui vole son livre, moi, donne-moi le livre là. Hop, la messe. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tiens, ton livre, tu l'as fait tomber, Bobby. Alors, qui a volé le livre de Bobby? Tu m'as mis les mains devant les yeux. C'était une blague, Bobby. J'ai pas laissé longtemps parce que j'ai vu t'as paniqué. Un peu. Mais pas beaucoup quand même, hein. Non, ça va, t'es un bonhomme. Bon, allez, je vais pas les faire attendre plus. Bobby. Oui. J'arrive. À très très bientôt. T'oublies pas pour l'appel à témoin. Ethan. Ouais, mais moi je te demande pas. J'ai pas trop de relation avec cette personne. Non, mais tu te renseignes autour de toi. Tu me donnes des infos. Mademoiselle Tripoteur. Oui, bonsoir. Ok, ça marche. Ouais. Comment allez-vous? Bah, alors, pas bien, hein. On y va. Monsieur, oui, bonsoir, c'est pourquoi? J'ai rendez-vous avec Kieb, a priori vous, et il y reste là dans 2 minutes, là. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez repasser? Excusez-moi, j'ai pris beaucoup de retard sur le truc. Ok. On va se voir demain, du coup? Hein? Non plus. Ouais. Vous donnez rendez-vous. Comment je l'évite, l'autre, quoi? Madame Obi. Oui. Dites-moi, oui. En fait, j'ai une photo que j'aimerais vous transmettre. Oui. 25-38. Attendez. Vous êtes répertorié auprès de la mairie ou pas? Je suis recensé, vous voulez dire? Oui, attendez, je crois que... Ouais, c'est bon, j'ai trouvé votre mail. Voilà. Je vous l'ai envoyé. Faites voir. Regarde. Je vais regarder. Allez-y. Waouh! Oh, c'est gentil! Merci beaucoup! Elle est trop belle! Pas de problème.
que c'était lui. Bah merci, c'est adorable. Mais il faut prévenir quand on prend des photos des gens, c'est coquin, hein. Poussez-vous, oh, voyons, c'est... poussez-vous. Grognasse. Merci en tout cas, t'es trop gentil. Pas de problème. Ah, c'est Goski. Ça part comment? C'est comme des cartes Pokémon? Si t'as deux boosters par jour, c'est quoi le truc? C'est quoi alors, pour l'instant... Bon, bien en forme. Pour l'instant, c'est un seul, parce que vraiment, il y a trop de monde. 400$, on s'est aligné. Ouais, alors non, 400 et 350, mais pour l'instant, il n'y a pas le club. Donc okay. Que 400$, et quand il y aura le club, 350 pour les membres du club. Dans l'image. Bah écoute, ok. J'aurais pu me ramener que c'est que je regarde, mais c'est pas grave, hein. Donc, mais grave. Moi, attendez, peut-être que... Moi, je suis fan de catch. Moi, je suis fan de cartes. Hein. Vous êtes fan des cartes? Oui. Écoutez, je sais que vous êtes un homme occupé. Ça veut dire, si vous voulez, je peux vous en garder un par jour que je mets de côté. Incroyable. Et moi, je vous paye le double. Non. Vous payez les tarifs normaux. Vous êtes un client comme les autres. Et juste, vous me dites quand vous passez et il sera mis de côté. S'il faut, si vous venez pas chaque jour, c'est pas grave. Genre, la fin de la semaine, vous me dites, ouais, je vais récupérer les 7 de la semaine, c'est incroyable. Bon. Juste faut me dire. Ok, incroyable. C'est bon, c'est pas pour moi. Tu peux me les garder du coup. Ok, est-ce ça marche bien. Écoute, ton numéro de téléphone, s'il te plaît. 3108. Et ton nom? Caleb. Caleb Wilson. Mais tout le monde m'appelle Brutus. Vous entendez mais Brutus, c'est moi. Brutus. Mais bon, vous, en tant que mère, je pense que ce sera plutôt Caleb, mais voilà. Voilà. Yo, Bigger Kick, qu'est-ce qui t'arrive? Putain, aidez-le. Il est lourd, aidez-moi. Voilà. Je vous recontacte par rapport à ça. Ok, vous inquiétez pas, vous avez rien à faire, vous. Juste qu'on va changer de Asos. Ok, vous avez okay ça marche. Bah, du coup, vu que j'étais Asos, non, j'ai un compte pour les factures, mais j'avais pas encore d'accès à la carte. Okay. Et on se versait pas. Merci non plus pour les follow. De salaire, quoi. Alors, ok, et les factures, tu les fais directement pas sur ton compte bancaire, mais sur le compte de l'Asos. Bien sûr, le compte c'est SlamAttaxWWA. Casse-couille de première. Ouais, quand même. On va lire mon bouquin. Nanana. Bruce Wright. Bloody Canyon. Ah ouais, c'est vraiment un truc de... En plus, c'est vraiment ça. C'est vraiment un truc de meurtre et tout, Bloody Canyon et tout. Oui, je m'en doute. Ouais, non, quand même pas. Y'a pas de soucis. Eh ben écoutez, bonne soirée. Ouais, vous me tenez au courant? Bien sûr, très grand plaisir. Ok, ça marche. Allez, venez, je vous en prie, suivez-moi. On y oui. va. Je vous suis à la radio. Suivez-moi, vous inquiétez pas. D'accord. Du coup, je pars en interview avec mademoiselle Tripotaine du Weasel. Si quelqu'un veut venir avec moi, vous pouvez venir. Allez, venez. Allison, elle est là? Je viens avec vous. Allez, venez, monsieur. Ok, j'ai Choi qui vient avec moi du coup. Oui, Allison n'est pas là, je crois qu'elle est occupée un peu. Bon. Ah bah ouais. T'as vu qu'elle est lesbienne? Oui, je suis au courant. Je suis au courant. Elle aime bien parler de la chose tout le temps. Ah bon? Oui. De quelle chose elle parle? Oui. Ouais, on faillait, des fois elle dit des choses un peu coquins. Attendez, vous parlez de mon supérieur? Ben, je sais pas si c'est votre supérieur, moi je la connais en tant qu'Alison, pas en tant que supérieur. Qui, en quoi? Tu m'as dit quoi comme chose? Je comprends pas. Félix, quoi comme chose? Je comprends pas. Viens de ma mairie. Excuse-moi, viens de ma mairie. Oula. Je commence demain. Ok, demain à 22h à la mairie. Il est au téléphone là? Vas-y, à demain. J'ai oublié ça aussi. C'est votre voiture personnelle? Non, celle-là, c'est la voiture de la mairie, du coup, je l'ai prise pour la mairie. Bon, bah, ça va, c'est un modèle qui passe, qui est sympathique. Alors, pour vous expliquer un peu, là, nous allons aller à la villa, du coup, de la mairie. Ouais. D'accord. Donc, c'est une villa, du coup, que j'ai prise pour toute l'équipe de la mairie, vu qu'on est nombreux. D'accord. Pour pouvoir, voilà, pour que les personnes de la mairie puissent dormir, puissent... C'est un peu la villa de la mairie, ça fait un peu comme la villa des cœurs brisés ou... C'est un peu ça, mais sans le côté cul, du coup. Vous êtes sûr? Ah ça, après, je sais pas ce qu'ils font, je vous cache pas que... Ah. Je sais pas trop ce qu'ils font, après, mais...
sacré domaine, hein. Bah, c'est plutôt sympathique. Vous voulez pas que je fasse une photo de vous devant l'arche? Là-bas? Je vous fais. Je pense qu'il y a un meilleur point de vue là-bas, venez voir. D'accord. Après, c'est vous la pro, hein. Non, mais non, c'est vous. Vous faites comme vous l'entendez, hein. Donc, vous avez des questions, du coup, très difficiles, c'est ça? Oui. Vous pensez que vous allez me piéger ou pas? Non, mais c'est pas le but, c'est juste je vous préviens, bah vous je suis que pas tendre, monsieur moi. Le procureur, bah monsieur le procureur, il m'a dit, c'est la première fois sur les questions, oui qu'il a réfléchi pour répondre. Bon, en tout cas, c'était fluide, hein, ça s'est pas senti qu'il réfléchissait. Hein. Ah bah pourtant, il était pas... voilà. Ah bon? Ouais. Ah mais c'est bien, ça veut dire que j'ai fait une bonne impression. Vous avez fait une bonne impression. Ah super. Il m'a dit, c'est une masterclass. Ah bon? Oui. Oh, c'était gentil. Ah, je vous ai rien dit, hein. Non, enfin, promis, je dis rien. De toute façon, je sais pas si non. Je vais le revoir, hein. Oh, y a pas de raison. Donc, là, pourquoi du coup, y a c'est le côté, beaucoup donc, de personnes en maillot de bain? Alors, pourquoi y a des personnes en petite tenue? Pourquoi y a une personne avec des seins nus? Mais non, oui, mais parce qu'ici, ils ont chaud, les gens. Attendez, mais je vais faire des photos, hein. Non, non, vous prenez pas tout ça. Venez, 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 Bobby. C'est sympa la vie de la mairie. Non mais disons que voilà, les gens profitent, ils sont à l'aise ici, vous voyez. Non mais c'est bien, dans l'article ça fera bien, hein. Non non non, non. Wow. Alors, attends, mais c'est pardon, non c'est magnifique, c'est bon. Et c'est que ça sent le ça sent fort le comment vous dites ça, vous? Ah oui, ça sent le pognon, hein. Non, en vrai, ça va, je vous assure que ça... Oh, ça oh, est-ce que si c'est bien? Je sais pas, attendez, je réfléchis. Vous pensez que vous allez avoir assez de paquets de cigarettes? Non, je suis pas, moi, vous savez, je suis pas. C'est non, pour c'est les gens de la villa? Oui, c'est ça. D'accord. Attendez, venez, j'ai une déballée. Oui. On va aller y à l'étage, je pense c'est mieux. Oh, une guitare? Oh, il y a un piano! À la villa de la mairie. Oui, si tu veux. Allez, venez, on va aller en haut, du coup, vous allez voir. D'accord. Non, c'est extrêmement... c'est oui, beau, vas-y. Hein, c'est... Ah, là-bas, peut-être, attendez. Ah. Je vous cache pas que je suis perdu, en fait. Ben, je comprends. Ah, c'est bien ici, non? Ça fait un sort de... Waouh. 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 Oh, je l'ai pas mis, celui-là. Bah, écoutez, je vous le prête, si vous voulez. Allez, c'est vrai allez, tu l'as aussi? Oui. Allez-y. Attendez, je le pose. Oh, celui-là aussi! Bon, ouais, ok. Vous dévalisez votre librairie. Hein. Oh, prends celui-là aussi! Portez-lui ses livres, du coup, s'il vous plaît. Bien sûr, pas de problème. Ah, c'est pourquoi? Tiens, prends celui-là. Attends. Je suis la quête. Après, tout vous ne vous inquiétez pas. Elle va pas disparaître, la bibliothèque. Vous pouvez pas. Enfin, c'est comme vous voulez lire. Hein. D'accord. Y a pas de soucis. Hein. Non, mais parce que. Oui. D'accord, promis. Ok. Oui. Attends, il y a celui-là aussi et celui-là, là-haut. D'accord. C'était bon. Attends, okay. Oh purée, il y en a là aussi. Ouah. Tu l'as tout là-haut, Sve. S'il te plaît. Oh, il y en a là. Ah oui, mais c'est bien. Du coup, oui, c'est vrai que oui, c'est... Et celui-là, et après j'arrête, c'est promis. On est à 12 livres là, c'est pas mal, hein. Oui. On a eu beaucoup de lectures. Ça va me faire la semaine. Je vais vous mettre tout ça dans un sac. Je lis entre deux bouquins par soir. Par soir? Oui. Waouh. Oh non. Mais ça va pas? Vous avez... Monsieur, je peux... Ça va? Oh putain. Oh, je me suis niqué la jambe. Vous avez dit un gros mot. Ah, excusez-moi. Monsieur le maire, il a dit un gros mot. Hudson, s'il te plaît, tu peux t'excuser devant Bobby, ah, s'il te plaît, pas de gros mots. Oh là là. Les gens, ils sont vulgaires, hein. Ah ben voilà, c'est bon. Oh okay. Oui, il y a quoi, t'es... Vas-y, vous. On est en train de flex avec notre demeure, c'est ça? Monsieur le maire? Oui. Pourquoi vous avez des tas de billets sur votre bureau? Ah oui, ça c'est la vraie question, monsieur le maire, pourquoi vous ça, avez ça? Ça, en fait, c'est pour les femmes de ménage, vous savez, pour que je serve, si elles n'ont pas trop d'argent. Voilà, c'est pour qu'elle prenne un petit billet, vous savez, pour les transports, pour la nourriture, voilà. C'est... Tenez, je vous pose ça, je vous dis. Oui, allez-y, prenez. Ah, super, merci.
Ouais. Alors, attendez, m'assois. Installez-vous, je vous en prie. Oui. Est-ce que vous voulez boire quelque chose peut-être ? Un petit café, du thé, de l'alcool ? Je veux bien une infusion de gingembre citron. Hudson, s'il te plaît, tu peux nous préparer ça ? Ouais, ah ouais. Merci. Alors... faut pas hésiter à parler fort, hein. Ok, je parle fort, ok. Oui. C'est mieux là, c'est bon ? Ah, c'est... Oui, attends, c'est perfecto ! Ah, pardon. Okay. Je vais poser perfecto. Mon... Okay. Je vais poser mon petit... là, je pose mon téléphone et je vous mets en record. Vous savez, c'est mon premier, hein. Moi aussi. Avec un maire. Ah, bah moi, c'est... J'ai jamais fait auparavant. C'est vrai ? Oui. Bah bon, bah... Moi aussi, je suis un peu... Ouais, ok, ok. Vous êtes un peu ému ? J'ai un beau profil ou pas, là ? Ça me va bien comme ça, regardez. Ah, vous êtes beau, hein. En plus, avec merci. L'arbre rouge, ça fait contraste. Après, je ferai une belle photo tôt de vous. Super. Ouais. Je vous fais confiance, hein. Attention. Alors, attention. Waouh. Tension. Waouh. Wow. Ça, c'est de l'infusion, hein. Ah ouais, là, on est bien, là. Ah, oui. Et voilà. Merci, madame. Attendez, attendez. Vous pouvez me le poser sur le... Monsieur le juge. Ah, mince. Ah, il m'a fait tout tomber ça dessus. Ça va, vous ? Ça brûle. Excusez-moi, tenez, mettez ça. Alors, bah, mettez écoutez, ça sur vos cuisses. Merci. Ça va faire du froid. Et tenez ça. C'est comme des... Allez-y, faites. Merci. Ah. Après, je vais pouvoir dire aux copines que moi aussi j'ai des brûlures de tapis sur les genoux. Alors, en l'occurrence, ce sera des brûlures que... de... Vos copines ont ça ? Ben oui, toutes là, Weasel News. Oui, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir Bobby. Oui. Bon, bah du coup, la psy elle est pas là, enfin répond pas, donc bah, je suis dispo si tu veux. Je suis à la villa du maire. Il y a des gens, ils ont des dessins nus. Il y a beaucoup de bouquins aussi. Ok. C'est incroyable, hein. Je finis mon interview et après je suis toute disponible. Vas-y, ça roule. C'est bon pour toi ? C'est bon pour moi. Tu sais que le procureur de la justice, il a dit à monsieur le maire que c'était incroyable les questions que je lui avais posées et que c'était comme qu'il a dit, masterclass. Eh ben voilà, ben incroyable, tu vois. Oui, je suis contente. Et tu sais que je vais faire un article sur Carter et ça va barder, hein. Mais, en vrai, t'as bien raison. Oui, mais j'ai pas le droit de citer son nom, mais je vais faire une description physique accrue. T'inquiète pas que tout le monde il va savoir de qui que je parle. Et je vais même, et je vais même mettre sa photo dedans. Ça sera pas le nom, ça sera... Oui, monsieur le maire. Ben, je vous attends. Ah, pardon, vous êtes assis en dehors de... C'est bizarre. Asseyez-vous mieux, s'il vous plaît. Je suis bien, hein. Non, ok. Je te laisse te rappeler plus tard. Vas-y, ça roule à tout à l'heure, Bobby. Toujours pas, monsieur le maire. Bisous. Bisous. Là, j'ai été déplacé. Ah, faut la replacer ? Ah oui, faut bien la replacer, hein. Ouais, faut bien la replacer. Moi, je peux pas faire de photos, là. Vous la replacez, Jin-Jin ? Non, Jin ou... Ah oui, Jin, pardon. Jin-Jin ? Ça va pas, non ? Bobby, s'il vous plaît. Mais non ! Jin-Jin, là, non, mais... Vous pouvez parler, monsieur Turing. J'ai pas dit Jin-Jin, monsieur le maire ! Ah oui ? Ah, d'accord, pardon. Ah, pardon, pardon, excusez-moi. J'ai compris Jin-Jin, j'allais faire mon gentil, ça. Pardon, mais non, oh, voilà, ça va être compliqué. Oh non, pourtant j'étais bien placé là. Attendez, vous savez quoi ? On va tout sortir. C'est mieux ou pas là ? Ah, je dois venir aussi du coup. Bah oui, je dois venir aussi. Bah oui, je... Bah oui. Et en maintenant, on va bah, tous oui. Re-rentrer. Ok. Ça a rien changé. Non mais attendez. Ah oui, y a un problème avec la chaise. Tu as un pipi. Je me décale un peu vers la gauche. Attendez. Non, mais il n'y a pas besoin de faire pipi. Bien ou pas ? Dans le pire des cas, attendez. Bougez pas, monsieur le maire. Bon, moi je m'assois en attendant, hein. Allez-y, allez-y. J'ai siroté ma tisane. Allez-y. Vous brûlez pas, bien sûr. Ah oui, vous brûlez pas, madame, attention. Non, ça va. C'est vraiment parfait. Vous voyez, quand je vous ai dit que je devais prendre la photo, j'aurais dû le faire. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais vous voulez que je me décale un peu, monsieur Choi ? Droite ou gauche ? Je peux me décaler. On va juste vous sortir une nouvelle chaise. Ah, mais j'aime bien celle-là. T'es là, c'est des royalistes !
Non, pas royaliste, c'était une fauteuil voilà de. Bah si, il a fait roi royaliste. C'est pas un. Oui. C'est pas un. Mais non, mais elle est derrière vous sinon, voilà. La chaise. Attendez, on va. Oui, mais là, y, il a une arriver. Tablette dans les mains. Mais regardez. Compliqué. Bah oui. Ah, oui. Ouais, ah ouais, ouais. On peut enlever la deuxième du coup. Oh, vous en demandez beaucoup, madame. Là. Non, mais on la pousse au moins. Elle est où la chaise là? Attendez, moi je vais la pousser. Y arriver. Ah ouais, non, mais là, c'est pas. Prendre la place, votre chaise. Hein. Non, mais. On vous dit. Je... Mais aidez-moi, je me décale à droite ou à gauche, mais je fais non, quoi? Mais non, mais attendez, vous décalez. Je craque. Ah, je sais, mais je pense... Non, mais c'est foutu, hein. Foutu pour foutu, c'est pas grave. Tant pis.